<laughs> il, y a, ah. il y a le Monique qui a dit Allez, je me désabonne. Pourquoi il veut se désabonner Parce que soi-disant, on est en retard, ou on prend trop de temps pour lancer, ou je sais pas. Pour bon, les gens, ils me fument. Vraiment, les gens, ils me fument de ouf. Non, vous êtes, vous êtes difficile. Pas déjà, de... les gars, juste pour hier, on va prévenir, au cas les gens ne pas au Hier, le, le PC, a, le Kiku a sauté. C'est pour ça que le live s'est arrêté un peu de manière. Euh spontané. <laughs> Et du coup, ça ne servait à rien de faire une deuxième partie. Ouais, en fait, sinon, il y aurait eu en contexte. Euh, On a parlé avec ICAN après sur, euh, sur Zoom. Zoom ouais. Et euh, on s'est dit que ouais, ce n'était pas forcément pertinent de faire une deuxième partie, sachant que les personnes qui allaient tomber sur la deuxième partie n'allaient pas forcément prendre le temps d'aller voir la première partie. En gros, hmm. on s'est dit tant pis. Ah, tant pis, tant pis. Donc, ce soir, vous pourriez revenir au Smoke Show pour nous dire... Euh, les choses que vous aviez à hein. ouais, Pour ceux qui voulaient parler particulièrement à bah il a Instagram ou Twitter, <laughs> n'hésitez pas. Exactement. Mais bref, aujourd'hui nous on va se concentrer sur One Punch Man. On nous avait demandé de parler de One Punch Man depuis un bout de temps. Les gens nous prenaient la tête par rapport à ça, mmh. et pourtant on bid. Donc j'ai envie de dire première gifle de la soirée. Que voulez-vous Et euh, en gros, avant de commencer à parler, moi j'ai envie de dire euh, One Punch Man, c'est le thème. Vu que ce week-end et le week-end prochain, on va animer des de ah oui. Pushman. <laughs> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, je ne ouais, sais pas ouais. si je peux leur montrer. Le... Ce week-end, on sera en Normandie avec le Nenko Show dans Exactement. une convention. Hein. Donc, je on sera dans le thème Pushman avec Machine à coups de poing. Il y aura après Dama, il qui aura des cosplayers, des cosplayeuses, etc., etc. Donc, euh, n'hésitez pas à venir euh, au Exactement. Nenko Show. Venez nous voir. Hein. Faites-vous plaisir. Pour celles et ceux qui veulent des autographes aussi, vous n'êtes pas très ouais. moins cher que Thibaut les dédicaces. Ça avec ça va se là les choses sont en train de se mettre en place tranquillement, c'est en train de se remplir etc. Il y a déjà et vraiment bah, tout, il y aura des de gens de qui là, vont il être Il est là-bas, il nous le rejoindra demain. Ouais exactement. John se déplace. Ouais qui il une force. <laughs> bah, si je ne force pas, tu... on va rien faire et on va jamais faire de bise. Effectivement. Et, et je, je, bon. je tiens à préciser euh, quand j'ai dit à John euh, ouais chaud, machin, il m'a dit euh, tu, tu, tu viens me chercher, hein? <laughs> ouais, franchement, bon, je, je souffle un peu. Ouais, je dis pas. Si je force pas John, on va jamais rien faire, sachez-le. <laughs> sachez sachez-le, sachez-le. Là, à quel... ben, en Normandie, je sais pas quelle ville exactement, goûte. C'est à Beaumont-le-Roger. Beaumont-le-Roger. Exactement. Beaumont-le-Roger. Donc en voilà, Normandie. de toute façon, suivez-nous sur, sur le Twitter de l'équipe Show, sur Instagram. Insta, j'ai expliqué un peu le délire. Les liens sont en description, tout est expliqué. Exactement. Donc, euh, franchement, ça va être cool. Hein. Si vous avez la possibilité de venir, si vous êtes à côté, etc., euh, n'hésitez pas. En gros, il y a mm. tout un bâtiment, ça va être carré, etc. Nous, on aura avec Preda bah, notre stand de One Punch Man, machine à Est-ce qu'il est écrit là Est-ce que c'est écrit de, de votre punch -man Ouais, c'est écrit One Punch Man Challenge ici. Et... On est Et... ici, là, on est dans cette zone-là. Nous sommes déjà importants. Il y a plusieurs étages, nous, on, en, on est dans cette zone-là. Euh, après, il y aura aussi. Euh, un coin pour jouer aux jeux Nintendo, il y aura le coin... Il y aura des seul... loups à gagner. Il y aura beaucoup de trucs oui, à, il y aura gagner, beaucoup de à gagner. Il y aura vraiment beaucoup de loups à gagner. Il y aura des tombolets, etc. Euh... Franchement, il y, aura, il y aura beaucoup de trucs à là gagner. là n'hésitez pas à venir. Euh, il y aura bah, le concours que Lixy a organisé, concours de cosplay, de cosplay, tout ça. Donc euh, franchement, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Et euh, bah, nous, on va animer un stand euh, One Punch Man. Hein. Preda, il a commencé à... Preda, il a commencé à installer tout ça... Euh, si je vais ici, 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 ici. ici. Euh, Preda, il est en train de préparer les trucs, tout ça. On le rejoint, nous, demain. Donc, euh, euh, ça nickel. va être cool, ça va être cool. À partir de 10h, hein, on sera là un peu avant. Ouais, exactement. Et la semaine d'après, on aura un stand aussi à Let's Play Paris. Donc, on en reparlera certainement la semaine prochaine. On fera plus ou moins le même délire, sauf que ça sera cette fois-ci au Parc des Princes. Donc, euh, on sera bon. Hein. On sera bon. Ça va bien bon. se passer. Et je tiens à préciser que par rapport à ce qu'on va dire là pour One Punch Man, on n'est pas payé ou autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. On parle de One Punch non. Man là, mais c'est un hasard par rapport à ce qu'on. Et fait, pas, par il ouais, y a rien de sponsorisé temps. par rapport. Exactement. Donc, euh, on souffle par rapport à ça. Mais bref, aujourd'hui, on est là pour parler du manga One Punch Man. One Punch Man. J'ai relu, ma euh, relu le manga. Je me suis posé pendant une soirée. J'ai relu le manga. Le l'as lu en deux heures One <laughs> Punch Man, tu lu en deux heures C'est vrai qu'il y a. La dernière fois. Quand j'avais parlé, de... hein. parlé de Kingdom, euh, les gens, ils avaient fait une Zumba pas possible. Ah, de ouf, les gens, ils voulaient ta tête. C'est un menteur, impossible un de lire 400 de chapitres en une nuit. Euh, les gens, ils sont complètement tarés. Donc, ça, c'était le premier truc. Et euh, One Punch Man, donc, j'ai passé, je me suis posé tranquillement. Toi aussi, je pense que tu as fait ça. Ouais, euh, ouais. On a tout relu. On est à jour. On a lu les derniers chapitres on a mmh. relu du premier au dernier chapitre exactement en lisant tout d'un coup et euh, il faut dire les termes one punch man qu'est-ce que c'est une dinguerie <laughs> c'est lourd c'est lourd qu'est-ce que c'est une dinguerie franchement tu te fais pas chier c'est un truc, de... non, un truc où il y a plus de 200 chapitres hein. oh, mais ouais. tu te fais pas chier après ça oui mais il y a des chapitres entiers c'est limiteux ça fait un truc d'animation c'est vrai il y a pas de souci mais c'est lourd moi j'ai envie de dire hein. est-ce que one punch man ou l'auteur le... de one punch man one c'est pas l'auteur de la le manga de la décennie parce que si tu veux Bob Psycho sans One Punch Man Bob Psycho et One Punch Man les deux c'est des dingueries. les deux c'est des dingueries. tu me dit, ouais mais en fait c'est pas lui c'est souvent on dit c'est Isayama mais Isayama il a foiré sa fin on y reviendra dans une autre vidéo alors que après c'est pas encore fini One Punch Man mais non pour l'instant c'est un truc de ouf pour l'instant ça franchement rien à dire vraiment c'est faut dire ce qu'il est pour l'instant c'est vraiment un truc de ouf donc ça c'est quelque chose qu'il faut donner à l'auteur parce qu'il a fait vraiment un taf incroyable. Après, il faut aussi donner à Murata. À ah, Murata, pour les dessins, Parce que ah, oui. les dessins, vraiment, bah, oui. les dessins, c'est abusé. Une Donc, franchement, Murata, il se fait plaisir avec One Punch Man. Ça se voit. Tous les personnages sont archi stylés. Tous les décors sont archi stylés. Tous les coups, les combats, les machins. Tout est archi stylé dans ce manga. C'est abusé. Qu'est-ce que c'est fluide Qu'est-ce que c'est bien découpé Ça se lit bien. Oh là 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 Non, c'est une dinguerie. Dingue. Dingue. Oh, Niveau dessin, dingue. il... il prend le temps qu'il faut pour sortir les chapitres. Des fois, on a un pas en chien, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais quand tu as ton chapitre de One, de toute façon, one Punch Man, ça fait c est... C est partie des rares mangas que je suis euh, les chapitres qui sortent de manière euh, mensuelle ou hebdomadaire. Il mmh. y a plein de mangas. D'habitude, j'attends qu'il y ait une cumulation de chapitres avant de les enchaîner. Il a que One Punch Man et One Piece. Euh, One Piece, c'est vraiment parce que voilà, je, vais, je, vais, je vais être à jour. Mais One Punch Man, ça, je le suis vraiment parce que je kiffe. Chaque chapitre, je fais allez, c'est quoi la suite C'est quoi la suite bah, ce que je veux dire. Tu vois, moi, justement, le truc mmh. que j'ai par rapport à One Punch Man et que je n'ai pas par rapport à One Piece, c'est l'argument des pro One Piece, qui est que si tu relis tout d'un coup ou un arc d'un coup, tu vas plus aimer que si tu lisais, par exemple, chapitre par chapitre. Mmh. Pour One Piece, pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors oh, que okay. pour One Punch Man, c'est incroyable à quel point c'est vrai. Pourquoi Parce que dans One Punch Man, on a certains chapitres où presque tout le chapitre, ou une grosse partie du chapitre, va consister uniquement, par exemple, avec Sonic qui est en train de faire des effets, euh, en mmh. train de se déplacer. Donc tu vas avoir la même scène, mais sous des angles différents. Où tu vas avoir plein de pages doubles ou autres. Mais pourtant, tu pas du tout. Tu te prends que du visuel même si c'est stylé, mais ça ne fait pas progresser l'histoire, tu vois. Mmh. Et ça, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui m'empêche de lire One Punch Man chapitre par chapitre, parce qu'il y a certains chapitres... En fait, c'est inégal. Comment il fait ses trucs, c'est inégal. Non, je que comme que lui, lui quoi, il se fait plaisir, c'est inégal. Je très bien ce que tu veux dire. Genre. Moi, en fait, je souffle un peu. Non, moi, moi franchement, j'ai suivi chapitre par chapitre, ça ne m'a pas gêné. Même si des fois, il y avait des chapitres dessus, comme as dit, c'est inégal. Mais après, il faut savoir que, franchement, le truc, c'est que tu as des chapitres deux fois deux. Six pages, tu as des chapitres de 50, oui, bah chapitres ça, de 100 pages. Tu vois, je pas ça en fait. dire. Donc, ouais, c'est très inégal. C'est très inégal. Ouais. Alors que quand tu lis tout d'un coup, tu as plus problème-là et vraiment. Non, c'est encore meilleur. Quand tu lis tout d'un coup, tu... c'est une Le mec, d'un point de vue euh, découpage, rien à dire. Mais il faut revenir sur la base, c'est-à-dire le, le concept même. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le non mais De toute façon, c'est nul, le mec, il gagne tout en un coup de poing. En fait, justement, c'est là où il est fort, le mec. Il prend tout le monde en contre nous. Il te met dès le début le personnage le plus fort. Il te fait comprendre que ce mec-là, il, il, il roule sur tout le monde. Donc, en fait, tu ne suis pas un personnage. Habituellement, tu te dis, il va battre tes ennemis le plus fort. Là, tu attends que l'ennemi. <laughs> Tiens, il a inversé le rôle. Tu attends qu'il y aura un ennemi plus fort qui pourra venir le test. Et ça, et comment c'est construit, comment c'est fait, sans parler de tous les autres persos qui met bien en avant, qu'on va leur discuter, c'est magistral. Honnêtement, là-dessus. Euh... Le mec, le, le contre il est super bien fait. Ceux qui disent non, c'est une nani, c'est des ouf. Juste, vous n'avez pas compris ce qu'est une, une bonne narration. En termes de narration, One Punch Man, c'est excellent. Après, il y a aussi le fait que Saitama, en général, va arriver et régler la situation à la fin. Mais même mmh. avec ça, les gens ne peuvent pas dire oh, c'est chiant, il règle tout en un coup de poing. Parce qu'avec One Punch Man, on a ce côté où on se dit est-ce que c'est ce mec-là qui va faire Exactement. que Zyta <laughs> Tu vois ce que je veux Exactement. dire Exactement. Au... Chaque <ride> maison, tu dis. Alors, ah là, avec là ça va peut-être être chiant pour lui. Là, ça va peut-être être chiant pour lui. Donc, euh, non, ouais, non, c'est. Je veux dire, c'est trop bien fait, en fait. Ce qui oh, fait que ce n'est pas redondant, dans le sens où tu dis, oh, c'est bon, je me fais chier, je me fais chier. Parce que la façon dont c'est fait, et même la façon dont les autres personnages, elle est classe. D'ailleurs, ça, je voulais en parler de. En fait, One Punch Man, c'est une série de super-héros. Contre des super-méchants ou des monstres. Oui, concrètement, c'est ça. Euh, quand j'ai lu ça, j'ai dit. Ça, en fait, c'est une série qui est plus sérieuse, vraiment sérieuse sur le fond, que My Hero Academia. Tu fait My Hero Academia, c'est voilà, un truc de guignol Ça tout non, pour Non, non, c'est clair. Voilà, que... deux... <laughs> c'est con, mais rien que la distinction entre les mecs euh, classés s, B, classé. A, euh, s. s, le mec qui est en classé qui essaye de prouver, euh, Rider, crois, qui essaye de prouver que c'est un bon héros mais qui se fait rouler. Il se fait rouler. Ouais. Euh, tu tu sais pas pourquoi il force. Mais euh, il est quand même là. Le délire avec les mecs de classe S. Le mec là, le, le prisonnier là, qui se met tout le temps à. Ouais, un prisonnier, euh, oui, oui, oui. Celui qui, euh... oui, justement, c'est lui qui à un moment il se fait rouler. Et les gens ils sont en mode, attends, t'es un mec de classe S, t'étais censé être fort ouais. et tu te fais rouler, je sais pas quoi. Le, la la sœur à la. La sœur à la mec le psychothérapeute est en classe B. Elle, elle dit classe on va essayer complexe, de dominer. Euh, » Moi ouais. je suis classe A mais je peux pas monter parce qu'il y a l'autre. Là, qui... les classes B. Je peux pas monter À cause de que sa que sœur qui... Le mec qui. Non, non. Il y a non seulement le mec qui, qui bloque là. Ah oui, euh, joli, joli visage, joli ouais, masque que Il y, y, y a ce mec-là qui bloque. Mmh. Et en plus, il y a le complexe de sa soeur, etc. Ouais. Bah. Euh, t'as tout le délire avec euh, Saitama qui, lui, est hyper puissant. Mais à cause de son rang, les gens, ils le négligent. Il est un peu bloqué. Ah c'est En fait, c'est bien fait. Tu vois. C'est très bien fait. Et comme t'as dit, c'est respecter les classes S. Tu vois, tu sais, un classe B, il va, il va jamais être avec un classe S. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que j'aime bien, c'est que même si tu as Saitama, tu dis OK, Saitama, c'est l'héros, il roule sur tout le monde par le principe même du truc. Hmm. Tu as Genos avec lui, qui en gros te permet d'avoir un personnage qui te montre qu'est-ce qu'aurait pu être l'évolution de Saitama si c'était un personnage classique. Exactement. Tu as Genos qui est là qui est chaud hein, avec son délire robotique, etc., mais qui se fait quand même rouler par les ennemis. T'as les autres mecs de classe S qui voient Genos, qu'ils respectent un petit peu parce qu'il est plus ou moins fort, mais t'as la mec euh, psychique. Qu'est-ce qu'elle est forte, elle C'est une ah, dinguerie ah, la... Qu'est-ce qu'elle est stylée la... quand elle se bat, vraiment ah, là, 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 Ça, c'est une dinguerie euh, T'as le euh, Atomic Samurai, je crois, lui aussi. Il est, est le stylé, il est, ouf, le... euh, Samurai, stylé, est... ouf En fait, t'as plein de trucs comme ça qui font que tout blast. est cohérent tu vois ce que je veux dire euh, tout euh... est en place ah tout est en plus. place vraiment non c'est là dessus franchement c'est le, le système en fait il est vraiment cohérent avec l'univers c'est tu sens pas quand se tu de ta gueule quand dans My ou où où t'as des petites sixièmes ils vont se rouler avec euh, les grands méchants tu dis waouh tu Exactement. vois tu, tu fais quoi encore à l'école voilà, c'est ça le problème de manière académia Et là, euh, le système, de, comme tu de montant en grade, le fait qu'ils ont des thunes, on voit un peu, il y a un peu un système de, on va essayer de se mettre en groupe pour grimper. Bref, l'univers est bien créé et il est crédible. Les classements, etc., etc., comme tu as dit le joli masque qui lui dit, moi, je peux être en classe S, mais je reste en classe A pour éviter qu'il y ait des enculés ouais, qui vont en, en classe <laughs> S. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, Ça, c'est bien fait. Euh, les différents ennemis qui se ramènent jusqu'au final. ce qui est marrant, c'est que... Au final les ennemis qu'on a eu au début sont peut-être aussi forts que ceux qu'on a à la page euh, à la fin, tu vois ce que je veux dire? Bah là, mm, non, bon, pas, parce que pas, pas maintenant. avec la, bon, maintenant. Avec la ah. Ligue des Méchants, là ou c'est quoi, comment il s'appelle encore? La, la, la Ligue des Méchants, oui, la, la ah, Ligue bah, des Méchants, ils sont quand même chauds, tu vois. Eux, ils sont chauds, non, ils vraiment, sont chauds, mais est-ce qu'ils sont, sont plus chauds, chaud. chauds que Boros? Bah ça, on peut pas le savoir parce que Saitama il a roulé Boros directement. Ouais, 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 ouais c'est ça, 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 ça mais le problème. Et même ça, c'est intéressant parce que tu as Saitama qui a roulé Boros. Euh, directement, ce qui a fait qu'on n'a pas pu voir Boros avec les mecs de classe avec, S, euh, Mais, S. Euh, dans la Ligue des Méchants, comme ils étaient tous en train d'attaquer d'un coup pendant que Saitama au début il faisait son tournoi, mmh. là tu as pu les voir en action, tu vois. Exactement, donc on il a pu voir à action. peu près le niveau des méchants qui se ramenaient. Et, et d'ailleurs, le tournoi, faut en parler, le tournoi il est excellent. Enfin, J'avais kiffé alors que c'est en animé aussi avec le mec qui lui, c'est pas un héros, il est un peu en mode à l'arrache comme ça, tu vois, il, il, tu vois, il fait du kung fou il arrive au tournoi, il y, les, il y a les démons de type. En plus, même la classification, classification des démons, c'est une bonne idée. De type démon, oui, oui, oui. Euh, danger de la terre, tigre, fléau. Ça, ça nous permet de comprendre direct. Tu vois tout de suite, vous voyez la puissance. Est-ce que c'est intéressant tu... pour Saitama Est-ce que c'est intéressant pour tel personnage tu, tu vois tout de suite. Et tout comme suite tu l'as dit, ce qui est intéressant avec euh, ce tournoi, c'est que tu as ce personnage-là qui arrive, présenté au début comme un personnage hyper puissant, il roule sur mm. les. Euh, héros, etc. Ils tout le monde, ouais. Et il capte que Saitama est fort en plus, est ça qui est Et marge. dès le début, ouais, il se rend compte que Saitama, il est fort. Mais quand les monstres arrivent, quand il y a le, il a un autre héros qui qui prend ouais, le, qui le cœur, la ouais, ouais, ouais. -là, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus quel est le terme exact, il se pisse dessus. Ah, mais c'est vraiment, vraiment, il, se il, pisse il pisse en, dessus. en pleure, il en pleure, tu il est des Et en fait, <laughs> là, il est en mode, comment font les héros Ouais, pour Alors qu'il est, est snobé. Exactement. Au début, et il était là... Pouf, Vous, les héros, vous n'êtes pas très forts. <laughs> fou, 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 fou. Je vous roule dessus. Et après, tu as des mecs qu'il a roulé pendant le tournoi qui sont en mode. Oui. Fuis, On protège Tu vois et, et là, lui, il, il est, là, est en mode. Merci. Est -ce <laughs> Mais cette scène, en fait, elle était bien faite parce que ça montre qu'au final, voilà, les héros sont prêts à sacrifier leur vie pour des ça gens comme toi. Même si tu es plus que fort que. C'est une question de mentalité, tu vois. C'est la mentalité. Et ça, c'était super bien fait cette scène-là. J'ai kiffé. T'as qui se ramène. Il crie Alain Bouffe Il t'a dit quoi il y en a un autre là-bas, il est plus fort, il n'y va pas. Attends, bouge pas. Elle se ramène sa tête. Non, c'est Vanga, il est magnifique. Ce Vanga Roche, je crois, là-dessus. Et même, donc on est dans cet arc-là, reparlons de même l'évolution de. Comment il s'appelle Le chasseur de héros, là. Garou. Garou. Moi, J'ai kiffé sa narration de Garou. C'est abusé, comment c'est bien fait. Garou, il progresse à chaque combat. Il... Je sais pas, je sais pas ah, il passe d'étape à étape. D étape. En fait, Même s'il se fait rouler, il, il explique sort. Euh, comment il, il explique son bon. sensei. Plus Garou, il se tape, plus il devient fort. Garou, c'est bon, un Saiyan. Ah, il apprend. Garou, en fait, c'est un Saiyan. Vraiment, un autres, saïd. Ouais. Je te jure, c'est un Saiyan. Pour le coup, c'est ah, euh, Franchement, Garou, personnage, euh, très bon perso. Euh, moi Il y a un autre perso qui m'intrigue beaucoup dans One Punch Man, qu'on n'a pas vu beaucoup, un héros. Euh, c'est le, le chien. Il a un visage à pas, là, Saitama. En fait... Quand lui, il a roulé, garou. Il a roulé, il Alors, a garou. Il a roulé. Oh, oh putain, je me suis barré. Il a dit, oh putain, heureusement qu'il ne m'a pas suivi. Il ah, l'a... Ouais. <laughs> Attends, il l'a roulé. Et lui, il a un délai un peu à la... -à où Il parle pas, il est inexpressif. Mais en gros, et en plus, il a dit, il jouait avec moi. En gros, il prenait le truc ouais. de la papate. Et en plus, <laughs> il lui a dit... Euh... Enfin, il l'a dit, euh, Garou mmh. plutôt, quand il se battait avec le mec, le... avec le chien, là, le mec, il est le chien, l'homme-chien, le... là, il était en mode... Ouais. Euh... Tant que tu t'approches pas, je ne m'approche pas. C'est-à-dire que. Exactement. N'essaie même pas de le rouler. Hein. C'est juste tu t'approches ah, pas. ça, tu vois. C'est exactement. Et c'est ça qui est marrant. Parce qu'en fait, là, on se rend compte qu'en fait, même dans la classification de classe S, Il y la classification ne veut rien fort, dire. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être 15e, mais sont peut-être plus forts que le 2e. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Et ça, c'est d'autant. En fait, la classe S, ça nous dit juste que c'est un certain grade. À partir Et de là, ça. Un... Ce qui est très, très, très intéressant avec la classe S, c'est quoi C'est que le numéro 1. Il y a des fraudins, il y a la fraude King. On en, ah okay, ah, King fraud... ouais. on en parlera après. King c'est baggy, <laughs> tu vois. King c'est baggy, ouais, c'est comme ça. Mais le numéro 1 en fait, c'est encore un autre game parce que lui au bout d'un moment, tu vois que déjà c'est c'est le grand à la, la... la meuf psychique là. Ouais, c'est son Et grand. En plus ouais. lui, il est dans un autre game, il se bat dans des autres univers. Dans dimensions. <laughs> ah, <lui, rire> vraiment lui, c'est lui c'est en fait lui, quand on va vraiment se concentrer sur lui. On va rentrer encore dans un autre game. Donc, c'est en Exactement. fait, c'est pas le numéro 1 pour rien. Tu vois ce que je veux dire Ah non, lui, en fait, les petits combats de monstre, lui, il se dit Attends, mais il moi, je suis sur la temps. Terre, là. Ouais, il ne vous rendez pas compte, moi, je suis sur les... Les... les planètes de différentes ah, dimensions. Lui, il n'a pas le temps. Avec d'autres démos, nous, on fait le taf. Ah, lui, Exactement. il n'a pas le temps. Et il ça, temps. ça rejoint la narration de One Punch Man qui, pour moi, est vraiment, vraiment, vraiment bonne. excellent. Ouais, c'est euh, que One Punch Man, ça a commencé comment Ça a commencé en se focalisant sur Saitama qui est trop fort. Mmh. Tu. À Saitama qui rentre dans l'écosystème, héros, etc. Et tu à la partie Boros. Une fois que tu es sur la partie Boros, là, tu atteins, entre guillemets, le pic, Ou tu penses que c'est le pic. Parce que tu vois vraiment ça, méchant. C'est ça, parce qu'on te dit c'est un méchant qui vient d'une autre, autre planète, etc. Mais, il a roulé tout euh, le monde dans l'univers. Ouais. Il arrive. Euh, tu te dis, ah ok, donc c'est lui qui va faire que Saitama, il va être sérieux. Pas du tout. Donc là, tu es dans cette phase-là. Tu te dis, ah putain. Donc, s'il y a ce méchant-là qui a fait ça, ça veut dire qu'en fait, ça va être tout le temps comme ça. Donc, c'est relou. Sauf que Kenny que t'enchaîne ensuite sur toute la phase euh, à la fois garou et à la fois mm -hmm. euh, tournoi. Où là, on est plus dans un délire où Saitama, il est en mode Bon, bah finalement, je vais jamais trouvé quelqu'un à ma hauteur. Yeah. Donc, bon, là, je vais essayer de voir c'est quoi les arts martiaux, c'est quoi. C'est un autre délire. Mais ouais, à côté... que... et, et, et ça, c'est lié à Garou. Hein, parce qu'il se dit, ah, peut-être que Garou, ça peut être un combat intéressant. Oui. Sauf qu'il ne sait pas qu'il l'a roulé 2 trois fois. <laughs> ça paraît vrai. C'est ça. Et à côté, tu Garou qui, lui, est en train de progresser en termes de puissance Exactement. avec tous les combats qu'il fait. En même temps que Garou, il progresse. Et bien là, on n'a plus, comme on avait dans la première partie, le focus sur Saitama. On a le focus cette fois-ci sur les héros, pour de vrai. Oui, oui. Va... on voit peu Saitama hein, au bout d'un moment on voit ah, vraiment non, non, les on voit héros tape, vraiment qui se battent etc les héros ils sont développés leur background tout ça donc ça c'est cool et tu arrives à euh, Saitama contre Garou où vraiment Garou là il atteint un niveau euh, laisse tomber Saitama il est beaucoup plus sérieux même si le rôle au final il est beaucoup plus sérieux et même avec ça tu te dis pas ouais ok la Garou c'était vraiment le max parce que Saitama il est plus sérieux pourquoi parce que t'as blast le héros numéro 1 qui lui, il se tape dans d'autres univers. Tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, à chaque fois que tu dis « voilà, c'est bon, c'est la limite du truc », il y a encore autre chose, tu vois Non, c'est ça. Ils ont introduit le concept de Dieu. Le Dieu, c'est lui qui donne les pouvoirs. Et justement, là, apparemment, Saitama, c'est la main du Dieu qui s'est retournée contre lui. Donc, en gros, les monstres, là, on sait d'où vient le pouvoir, c'est Dieu, en gros. Dieu, bon, vous avez compris. Qui donne les pouvoirs, en gros, pour justement essayer de battre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que Garou a assimiler une, une partie seulement du pouvoir du dieu. Et exactement. Et c'était un pour, combat. Et pourtant, euh, Saitama, il enchaînait beaucoup de coups sérieux. Ouais, non, c'était que du coup meurtrier, coup sérieux. Ah ouais. Parce que en... Saitama, à un moment, il était fâché. Hein, parce que Garou, il avait, il avait tué euh, le, le, Genos. Genos. Euh, ouais. Il était fâché au bout d'un moment. Saitama. Ouais, c'est coup mortel direct. Il a lancé ah ouais. un coup mortel. Mais les deux, comme le Tissim en mode Saitama, les deux coups mortels, euh, du coup, il a fait match. Sauf que le truc, c'est quoi C'est que même si Garou progresse. <laughs> Saitama, il faut progresser aussi pendant le combat. Du coup, Garou, à la fin, il se fait rouler. Euh, et euh, moi, j'ai bien aimé comment ça a été fait, le truc de retour dans le oui, passé. J'ai bien aimé ça. Quand Garou, il a commencé à perdre ses pouvoirs de Dieu, la Dieu il a Exactement. dit euh, donne-moi ça. Elle Garou a dit, ah, il a tu ils dit... <laughs> Exactement. Euh, Garou, il a dit à Saitama Regarde vite, regarde ma technique, comme ça, tu peux retourner dans le passé. Et Saitama, ouais. il est retourné dans le passé, juste au moment où euh, le combat, il allait réellement commencer entre en Garou français. et Saitama. Il a roulé Garou directement, donc il n'y a pas eu tous les événements qui sont... Tous les événements. Il a mis One Punch pff. Et euh, franchement, c'était intéressant. Moi, j'ai kiffé. Je n'ai pas trouvé ça, genre, oh, c'est facile. En fait, dans la... Dans comment c'est fait Je sais pas, moi, ça m'a pas choqué. J'irais même, ah, bonne idée. Et le dis, truc, c'est qu'en en fait, même si tu as tout ça, dans l'écosystème de One Punch Man, dans l'univers de One Punch Man, ça colle, <laughs> ça glisse. Mais Ça colle, ça glisse. Ça glisse, glisse. Donc, dans ça, dans ça glisse. glisse. C'est pas choqué, t'es pas choqué, tu pas c'est cohérent quoi. par rapport à l'univers ça glisse vraiment. vraiment. glisse de ouf surtout quand juste avant comme tu as dit, on a vu Blast qui nous sortait des différentes dimensions des trucs comme oh. ça euh, et aussi ce -là, on a parlé du combat final qui était pour moi un peu l'apogée où là on sentait que ça allait pas pour une fois euh, plus ça se taper son Saturn bon, oh, on n'a jamais une vu ça dans un manga de baston c'est une, une dinguerie, dinguerie. Une dinguerie. à part la Laguen, on dira mais bon c'était une dinguerie euh, même si il y a une petite incohérence où Saitama quand il est avec Boros, il est dans la lune, il doit retenir sa respiration. Et, et là, il, il retient pas sa euh, 3h. Oui, 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 oui. Bref. Non, oui, j'avais laissé. Été... ça dit. aussi. Parce que quand il était f... avec Boros, il était en mode. Oh, 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 ma respiration. Voilà. Et là, il, il énorme, parlait dans Tu Il fait Bon, j'ai laissé, je laisse. Euh, mais même, tu vois, les autres persos, les super euh, spermatozoïdes, le gros dégueulasse, hey, ils étaient énormes. Euh, ces persos-là, ils étaient stylés. Hein. Ces persos-là, ils étaient stylés. Vraiment, ils étaient stylés. Quand il était en mode platinium Et tu vois, justement, ces persos-là, j'ai trouvé que c'était très intéressant de les avoir. Pourquoi Parce que mmh. ça forçait les mecs de rang S à être au max. Ah, exactement. Ça les forçait à être au max, max, max. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Quand la, la scène où il y a l'autre comment il s'appelle le mec qui est super rapide Quand il voit, il commence à voir qu'il fait plus le, il fait plus le poids face à Garou et le super euh, spermatozoïde de C'est Sonic. Non, c'est pas Sonic. Sonic, c'est celui qui lui casse les couilles. Euh, ah, J'ai oublié son blaze. Quel mec rapide euh, C'est un classe S super rapide. Ah, euh, Flash. Flash, flashy. La scène où ils sont toutou, ils pètent les podis. Ça est un mois plus rapide que moi. Ouais, est oui, il est un plus rapide. De... Putain, est euh, En une, est une journée, du... j'ai eu trois mecs plus rapides que moi. C'est quoi ce bordel ouais, ouais. Ils pètent les podis. C'est pas possible. C'est quoi cette journée de ouf Et Non, franchement, lui, je, je kiffe ce perso là. La il la flash. Franchement, je le kiffe. Non, 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 il y, a... il y avait vraiment beaucoup. Ah de non, tôt. Les autres monstres, ils ont super bien été introduits. Même le Zombie Man. Euh, moi j'ai kiffé Zombie Man. Zombie Man j'aime bien. Bah en euh... fait, zombie Man il a un flow de ouf, il est stylé. Il a un flow. Et moi j'avais kiffé euh, quand il s'est fait rouler par le mec là dans, dans les souterrains. là Ouais, le moment... vampire. Ouais. vampire ouais. ouais, ouais. À un moment, euh... non, le vampire je crois il l'a roulé. Hein. C'est pas le vampire. Non, non, non. Euh... Que... Ah non, c'est le non. super clochard. Oui, le vampire. SDF, le SDF, le... roule le vampire il l'a roulé. Il était en mode on va voir qui va survivre le plus. Exactement. <laughs> Mais après, il s'est fait rouler par le mec. Ouais, c'est le SDF. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Tu vois, mmh. même le. Mais ils sont délire. tous fait rouler. Même Samurai, il s'était fait rouler par un spermatozoïde. À un moment, ils sont tous fait rouler. C'est la numéro 2, là, la psychique. Ouais, Celle qu qui qu les a sauvés. Elle les a tous sauvés. Hein. Elle, Elle les a, a tous, tous sauvés. sauvés. Tous. Parce qu'à un, qu un moment, ils étaient tous dans la merde. À un moment, ils étaient euh... cuits. Et... Même la scène où euh, Super Black brillant, il se fait niquer par Garou. Il commence à chialer. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire... il, a, il ah commence à avoir peur. En gros, il était là. Même Garou, après, il était là en mode. Garou, c'est ça. Garou, lui, il était en mode, je vais me battre. Mais en fait, comme. Euh, je sais plus comment il s'appelle, le mec musclé. là. Black Briand. Brian. Comme Black Briand, lui, il était dans le délire. Ouais, euh, je me suis musclé, je me suis entraîné pour ne plus jamais mmh. ressentir la peur, etc. Euh... Dès que Garou lui a fait connaître la peur, il s'est pissé sur lui. Tu vois Et il c est Garou, il était en mode Ah, fais chier. Quand j'étais ouais, petit, vois, on me mettait la misère. Maintenant, je lui mets la misère. C'est pas bien. Exactement. <laughs> C'était Garou... chaud. On sait que Garou, il a toujours eu. Même s'il fait le bon, il a eu un bon fond. D'ailleurs, on le voit avec le petit garçon qui veut tout le temps sauver. Exactement. C'est ce le lien qui montre que Garou, il n'a pas il un encore... si mauvais fond que ça. Ah, exactement. Ce n'est pas un mauvais bougre, ce, ce lien-là. Et franchement, Garou, le personnage, euh, bien introduit comme ça, c'était pas lien, comme as dit. Euh, il a aussi... Euh... Ah ouais, là, c'est un peu le truc. Mais moi, j'ai bien aimé euh, l'explication de la puissance de Saitama. Parce que c'est expliqué. Hein. À mon moment, le scientifique, il dit... Euh, parce qu'il y avait le scientifique qui avait la, la maison de l'évolution... Après, il a celui qui a créé Zombie Man. Ah, oui, Man dit... Quand on le revoit après. Ah, Zombie Man lui dit Mais pourquoi t'as arrêté il dit J'ai rencontré un mec en fait, qui m'a fait comprendre que toute ma science, oui. c'était de la merde. Ça sert à rien. Alors, il, dit, Quoi? il dit Le mec, en fait, il, il, a... il a niqué ses limiteurs. En fait, les limiteurs, ce qu'il dit, il y a des gens qui naissent en étant surdoués, doués, comme les classes S, mais même eux, on va dire, ils ont une certaine limite. Ils sont super doués, mais leur limite va plus loin. Il dit Saitama, il est né comme un random. Mais en tant que random, il a dépassé ses limites. et pour... En fait, euh, il dit en, gros, en dépassant tes limites T'es plus fort que les mecs qui avaient une meilleure marche que toi Parce que rare sont les mecs qui arrivent à dépasser les limiteurs Ouais il a supprimé ses limiteurs Ça peut paraître bidon Mais moi ça s'est me... passé Tu vois j'ai trouvé cette explication Et voilà ça ça me va Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc euh, là dessus euh, franchement moi j'ai kiffé Après moi juste, je voulais revenir sur la, la meuf psychique Parce que j'ai vraiment kiffé ce perso hein. euh, Quand elle se tape Elle a un flow de malade mental son délire euh, avant c'était une psychique enfermée tout ça. En fait, tu vois qu'elle a chaud, etc., etc. Euh, J'ai trouvé ça intéressant. Son délire avec sa sœur qu'elle doit protéger, machin. Ouais, leur lien il est bien, lien, il est bien. Euh, est Vraiment ça sent. Le fait que ça soit la numéro 2 et que ça ne soit pas une fraude, je me suis dit ça ah, c'est vraiment lourd. Par parce que comment comment comme, sur les gens. comme on l'a dit à un moment, ils, tous les mecs de rang S, ils étaient tous, 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 tous tous, tous, tous. tous Finito. Elle, elle était en train de se taper. Elle-même, tape. elle aussi. Hein. Non oui, mais justement, elle était en ouais. train de se taper. Elle aussi, elle était en mode ⁇ Oh putain, c'est chaud !⁇ Au moment où... Euh... Je sais plus ce qui s'est passé.. Je crois que c'est Saitama, il y a un moment, il... il détruit une partie du, du roi. Euh... Il non. détruit une partie de Tatakus, du coup l'autre, elle relâche. Elle dit ⁇ Ah, les autres sont libérés ⁇ ou les autres se Non, non c'est même pas ça, c'est même pas ça. En fait, parce qu'à un moment, elle se retenait. Mais je ne sais plus ouais, parce quel... que... Non, parce que justement, il y avait les gens. Elle ne voulait pas blesser les autres. Donc elle disait, je me retenais. Et je crois, à un moment, elle est sort de la merde. Et elle a dit, on va plus On ah, va plus rigoler. Peut-être, oui, peut-être, ah, c'est ça Peut-être, c'est ça, ça. ça. Peut ah, ça. ça oui. Au moment où elle se lâche, les planches, c'est une dinguerie. Ah, Quand elle se lâche, les planches, c'est une dinguerie de ouf. Elle commence à enchaîner tout le monde, vraiment. Et euh, les attaques qu'elle fait sont impressionnantes. Le flow qu'elle a, il est impressionnant. Et tu te dis, c'est pas la numéro 2 pour rien, tu vois. Ah non. Tu te dis, il y a non, vraiment non, un non. truc. En fait, concrètement, tu te dis, le système de rang, etc. Bon, il et y a l'exception King, euh, bon voilà quoi. Ouais. Mais ce <laughs> système de rang, il est cohérent. Et c'est pas pour rien que c'est la numéro 2. Et même si tu vois ça, tu te dis, ouais, mais attends, elle, c'est la numéro 2. Le numéro 1, ça va être un truc de ouf. Et quand il arrive, t'apprends que c'est le grand à la meuf qui se bat dans des autres univers, qui, en fait, tu te dis maintenant, je veux la suite. Tu vois ce que je veux dire Parce Mais que là, il... on va Clairement. rentrer dans un autre game. Non, là, on va rentrer dans un autre game. Hein. Euh, après cet arc, euh... là, on a un peu arrivé à l'apogée en termes de monstres. Là, on sait qu'il y a un ennemi qui s'appelle Dieu, c'est lui qui crée les monstres, qui, ouais, qui a projet de rouler Saitama. Il euh, faut savoir que quand on arrive au euh, dernier chapitre sorti, on ne sait pas encore ce qui est devenu Sonic. Sonic, son, je ne sais pas parce que lui, il a mangé Sonic, le truc il, il avait man... en fait euh, moi, comment je l'ai perçu mm -hmm. ce truc-là, c'est Sonic, il a mangé le, le, le cœur pour cure. devenir un monstre. <laughs> sauf que comme lui, il a fait cuire, etc. Il va -être pas être pas un poussé. monstre, mais il va avoir les pouvoirs. Tu vois, moi, je pense que ça va être un truc comme exactement, ça. exactement. Et même euh, parce que il y a des gens qui prennent du truc et se ressemblent en monstre direct. Garou, lui, ça s'est passé différemment. Ça ressemble à monstre. On sais pas. Si ça manqué de Garou. On sait pas s'il a mangé un truc ou comment c'est venu avec Garou. L'autre, il dit avec Garou, j'ai pas un traitement spécial. Il dit euh, le, le monstre là, qui, est, qui était derrière tout ça, la, la meuf. Donc, euh, on ne sait pas, peut-être lui va avoir le même, euh, la même transition que Garou. Donc, euh, on verra là-dessus. Hein, mais en tout cas, là, euh, que te dire à part que c'est lourd. Comme tu as dit, il y a des persos exceptionnels comme King. Comme tu as dit, c'est le Baggy, mais il est trop bien introduit. Euh, King, il est trop bien fait. <laughs> Franchement, le délire, de King King, King, le délire de King, je te jure, c'est lourd. Non, non, King. Euh, euh, le mec, s'il fraude. En fait, c'est bien fait les situations de hasard qui, à chaque fois, lui permettent de passer pour le fort. C'est ça, c'est ça. En gros, c'est des trucs fait. où. Par exemple, il est en train de marcher avec euh, Saitama. Saitama, il voit un mec qui, qui, qui va attaquer. Saitama lui il se dit euh, à quoi il joue, tu vois, donc il remballe ah ouais. le mec. Et King lui, il est en mode normal. Et les gens ils se disent "Oh putain, j'aime pas vu ce qui s'est passé. King, il est vraiment trop chaud, merde." Exactement. C'est ouais. que des trucs comme et ça. ça et, et ça tu vois, c'est beaucoup mieux fait par exemple que tu dis qu'un baggy. Que baggy au final c'est c'est que le blaze baggy. ce que je veux dire, ah ouais. sur le terrain, il y a pas de jeu, il peut dire "Ah, il y a eu ça, j'ai cru que c'était baggy." Lui, c'est que le blaze baggy. Non, ouais, parce que ça, je ne suis pas vraiment d'accord parce que Baggy, il y avait le délire, comme je t'ai dit, à Marineford. Marineford, il, arrive, il y a eu quoi Marineford, il arrive, il arrive à Marineford. Il parle mal. Il arrive avec des gens qui sont censés ouais, être, les gens qui Peldon, etc. Il voit Chanx ouais, qui la guerre. Shanks, il vient d'arriver à la guerre. Baggy, il parle mal à chance alors que c'est film dans le monde entier. Tu sais, il y a oui, oui bon, ça, ouais, oui, bon, oui, bon. Ça fonctionne. Bon, allez, ça fonctionne. Le fonctionne. Mais bref, en tout cas, je préfère l'exécution de one euh, donc, King, excellent. Euh, Genos aussi. Genos, je kiffe trop comme il aime trop Saitama Quand il est là, d'autres personnes le disent il ne prendra qu'un seul disciple. <laughs> il veut, oui, éliminer oui, la concurrence. Gag, <rire> <Voilà>. <rire> est, Après... Il est en mode à part le mal, maître, vous voulez-vous que je la règle sur le compte <laughs> Après, moi, ce qui est aussi euh, cool, je trouve, c'est les, les petits hors série, là. Oui, ou, euh, tu sportifs, vois des petites histoires à la con, ou des petits flashbacks... Qui ne sont pas dans l'anime. C'est lourd, hein. sont... autres... lourd. Il y a des trucs, hein. trucs qui sont pas dans l'anime. Ouais. Comme là, dans le manga, il y a plusieurs scènes où on voit la jeunesse de Saitama. Ce n'est pas dans l'anime. C'est ça. Donc, euh, il y a plein de trucs comme ça qui sont lourds. Il y a aussi, par exemple, il y avait un hors-série sur, me... euh, sur le... Tu vois, la... la sœur à la psychique, là. Oui, oui, oui. Elle a un groupe. Et à un moment, il y avait un mec. Qui, euh, qui a pété un cas parce qu'il disait que c'était trop dur d'être un... Oui, heureux, je sais pas Après, après c'est devenu un... Exactement. Et il a rencontré Saitama, tu vois. Ouais. Saitama, il lui a dit, en gros, entraîne-toi. tu vois. Il est, il est parti s'entraîner. Il est parti s'entraîner. Et en fait, au bout d'un moment, les mecs qui étaient avec lui euh, avant, ils lui ont dit, mais t'es devenu chaud. Euh, comment ça ouais. se fait Et après, tu le vois, il fait là il, est là, il fait son petit footing tous les jours. En fait, ça, j'ai bien aimé ce délire, tu vois. Après, on le revoit d'ailleurs à un moment avec Garou. Ouais, ouais. Il fait partie du groupe qui veut capturer Garou, etc. etc. Alors cette scène était stylée. Donc euh, non, non, les personnages sont introduits, l'univers, les, les mecs à côté. Bon ça, j'ai dit, pour moi j'attends la fin pour dire, mais ça peut être le manga de la décennie. Hein. Et juste, il euh, y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est que comme My Hero Academia, c'est un truc de super-héros, mm. mais là, comme on a dit, il y a le système qui est cohérent, l'univers qui est bon, il euh, y a plein de thèmes qui sont abordés de manière sérieuse, etc. Même Exactement. si de base c'est un truc léger, tu vois. C'est un truc léger, c'est mort oui, bon. mais un les un thèmes de fond sont très sérieux. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que tous les héros sont différents. As le mec, c'est un héros de vitesse. La meuf, c'est une héros, euh, héroïne euh, d'athlétisme. L'athlétisme, ouais. Euh, le mec avec son vélo. <laughs> <'as>... En fait, il <laughs> hein y a tous ces délires-là, mais ça passe, tu vois ce que ça je veux dire mieux, Ça, ça passe mieux, ça accroche mieux que en cas de... Le mec, c'est une colle, le mec, c'est... Ouais, tu vois, c'est pas... tu soufflais beaucoup, tu vois ce pas que je veux dire Là, même il y a des mecs random j'ai les chaussures super flash, ça passe, ah, tu pas vois. C'est des chaussures, je mets des coups éclairs. Euh... Non, tous les héros sont stylés. Après, peut-être, c'est les dessins aussi. Non, parce que Mario Academia, les dessins sont pas mauvais. C'est juste qu'en fait, l'univers de Mario... Ta... De Mario, de Mario, en fait, Mario Academia, il n'est pas si sérieux que ça, il est très enfantin. Est les gens ne se rendent pas compte. C'est pas sérieux. Et One Punch Man, ça peut choquer les gens de dire, comment ça, One Punch Man C'est plus sérieux que le Mario Hero alors que c'est un manga de humour C'est beaucoup plus sérieux. Ah, beaucoup <laughs> plus... En fait, One Punch Man, c'est un manga. Euh, c'est pas un manga toilette, One Punch Man. Hein. J'ai vu ah, des gens dire ça. C'est pas non, un manga toilette, One Punch Man. Hein. One Punch Man, c'est un manga qui est à premier abord léger, mais il y a des trucs sérieux dedans. Tu vois Exactement. Et les trucs qui sont sérieux arrivent à vraiment rendre bien parce que déjà, il y a l'univers qui est cohérent, qui est bien mis en place, etc. Mais pas parce que euh, tu vas avoir des personnages qui vont, être, qui vont être dark ou des trucs comme ça. Non, non, non. C'est parce que les personnages, ils ont des raisons qui sont cohérentes et pertinente par rapport à l'univers, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et ça, ça rend bien le truc. En fait, avec One Punch Man, tu as des très bons personnages, un univers cohérent, des dessins qui sont stylés, un concept qui est intéressant, et <laughs> au final, c'est lourd. Le mec, tout ce qu'il a mis dans la marmite, c'est excellent. Je vois ce Vraiment, je dire, au final, c'est lourd. Euh, la narration est excellente. Euh... Euh... Les méchants, ils sont, ils, bah, ils sont morts. Hein, les... C'est pas des méchants qui deviennent de gentils la plupart du temps. Bon, on va me dire Garou, mais Garou n'a jamais été méchant. En plus, Garou, sa psychologie a enfantine est très bien expliquée. C'est le fait de, c'est, marrant parce que Garou, en fait, c'est vraiment le mec qui dit, pourquoi on soutient jamais les héros, les méchants, les pauvres, tu vois Et c'est vrai qu'on était petit. Enfin, y a toujours des gens qui ont dit, ah, les pauvres, euh, ils, se font, ils se donnent du mal pour perdre, tu vois Donc, euh... ouais, j'ai bien aimé comment il était introduit, je trouve ça stylé. Donc, euh, non, non, c'est excellent. On ne peut pas comparer à My Hero Academia qui, euh, même si euh, les derniers chapitres veut me faire croire que c'est lourd on souffle un peu euh, non one c'est le manga de K qu'est-ce Qu que c'était stylé quand bien. il était en train de se taper, quand il faisait ses coups c'était une dinguerie les gens qui disent elle a pas de flow vous êtes complètement tarés j'étais en train de lire les chapitres j'étais en mode oh putain c'est une dinguerie vraiment c'est c'était ce vraiment une dinguerie c'était vraiment vraiment une dinguerie vraiment 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 et les dessins comme on a dit euh il se fout pas de notre gueule, c'est pas censuré, c'est... Oh, non, 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 non. Franchement, il fait le taf. Non, non, il fait le taf. Euh, T'es moi, comment ils sont stylés. Ils sont chaque... stylés. En c'est le pire, qu'il arrive à te mettre Même le chaque, petit personnage là... Même... en fait, chaque personnage il a En fait, ses dard. caractéristiques, etc. Même dard. le petit avec ses... ses trucs technologiques, ses machines, il est ses dardou. Machins, il est Son dardou. combat est avec le phoenix, ouais, j'avais chaud, avais chaud ah. pour lui. Le combat avec le phoenix, j'étais en mode « Oh, il est mort, le pauvre eh, !» je... Même les personnages random, là, de classe B, où j'ai passé... Il y en a des stylés, hein il y en a des stylés, ils ont des pompes de personnalité. Stylé, hein. euh, comment il s'appelle le mec avec sa batte là Lui aussi, il est stylé de ouf. Oh, oh il ouais, de... est stylé le GTO, moi je l'appelle Izuka. On dirait un espèce de. Onyzuka, oh, c'est de... Exactement, c'est un mec dans les Furios là. Dans les, dans les Furios, les ouais, c'est carrément ça. mec japonais là. Ah là, lui, il est stylé de ouf. Des ce de mec. ouf. Oh, là, là, là. Et quand il se roule contre Garou, Garou, il y a sa petite sœur qui arrive. Ah, il arrête Jens. Garou, il était en mode Oh, je t'ai fumé. Euh, le mec avec sa batte, il allait enculer Garou. Ah, il l'aurait retourné. Hein. Point. Mais le garou, il n'était pas encore au niveau. Exemple, il allait le retourner. Hein. Garou, il n'était pas au niveau. C'est sa sœur qui a dit euh, au mec avec la batte euh, Ouais, tu m'as dit, euh, quand je suis là, tu te bats pas. Il allait enculer euh... Garou. Hein. Ça aurait été finito. Donc, euh... Euh, non, non, mais ils sont tous stylés. Même moi, j'aime bien, je vous dis Basque aussi. Hein. Euh, parce qu'apparemment, il a un pouvoir bizarre. Je crois qu'il est... est. Bon, c'est pas encore du. j'ai l'impression qu'il est un peu là. Il a un peu du monstre en lui, il doit être un monstre. Oui, oui, oui. À un deux. moment, il a été déchiré à deux. Il n'arrivait pas à se contrôler. Il y a quelqu'un. A... Je crois que c'est un monstre ouais. qui a vu euh, que lui aussi c'était un monstre. Il a roulé direct. Ouais, en ouais, mode ouais. Faire... ouais j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Donc, ouais. euh, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, pour vous dire que voilà, même les personnages secondaires, du secondaire, du secondaire sont sont intéressants, sont, intéressants, sont bien exploités. Ça, est... Euh, on n'est pas sur du jeu My Academia. Je dis ça juste pour Osuto parce que putain, il rage quand je dis ça. Mm -hmm. <laughs> parce que mm -hmm. moi tu me dis manga de super héros. Bah, je, je pense à My Hero euh... Academia. Tu vois, Osuto, faut dire les termes. Hein. One Punch Man, ça roule Mario Hero Academia. Hein. Ça, roule ça, mais roule, mais ça roule, ça roule, ça roule Mario Hero Academia. Vraiment. C'est pas le même game. C'est deux même. games différents. C'est vraiment pas le même game. Il faut dire les termes. Donc après, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter euh, qui coule là-dessus. À part vous dire que. Euh, ouais, là, apparemment, c'est bientôt la fin. Apparemment, l'arc prochain, ce serait l'arc final. Bah C'est en fait, normal parce que comme on l'a dit, ça a monté en mmh. termes de puissance, etc. Et là on arrive sur le niveau de jeu. <laughs> en ouais. fait, à partir du moment où oui, vrai, la à partir die. du moment où la, la numéro 2 des mecs de rang S elle s'est ouais. battue à fond, que le numéro 1 de mec de rang S t'apprend qu'il se bat dans d'autres univers, tu pourras pas faire plus. Bah, donc forcément, en plus c'est ça, même c'est les classifications, c'est rang dragon, rang dieu, c'est le, c'est le plus cool. Et en plus on voyait qu'il y avait la prophétie qui disait dans 6 mois il y aura un niveau. C'est ça aussi, il y avait la un prophétie. Un niveau de dieu. Au début on pensait c'était Boros, après on pensait c'était la liste des... Des... des monstres. Et des monstres. Et en fait non. En fait c'est vraiment dieu. Oh ouais, vraiment vraiment vraiment. D'abord le coup c'est vraiment dieu, donc ça c'est amusant. Ok ouais. Et après bah pour finir moi j'ai envie de dire euh, comme on a dit ce mec là il est archi stylé. Oh, il est stylé. archi archi stylé. Toi, c'est qui ton préféré des classes S De classe S, ouais. c'est la meuf là, la psychique. Hein. Ah elle ouais a un flot de baisers. En fait, son combat contre l'autre meuf là, l'autre psychique, je me suis ouais. dit, elle, c'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment une dinguerie. Oh. Ah, moi, moi, je suis plus sur Flashy, tu vois. Ah ouais Flashy, je le kiffe. Flashy, je kiffe. Oh, mais il il est trop pas, stylé. Il, flashy. il, il se spécial. ramène. Ah bah, quand il s'est battu contre les deux mecs, ils étaient en mode. On est à deux, on est débouss. Démonst... Ouais, mais oui. ça, tu peux pas. Non, mais tu peux pas comparer ce combat là et le combat de euh, de la meuf là. C'est pas possible. Ouais, je préfère le combat de Flashy. Hein. Tu préfères le combat de Flashy? Beaucoup. Ah je est stylé, putain. Tomikawa, il est stylé, il est stylé, il est stylé. Il est stylé ou à la Mitsurugi. Ah moi je kiffe euh, son, non, stylé, son son. Je là-dessus. Mais non, non moi c'est. Après ah, il y en a beaucoup que j'aime bien. Black je ouais, j'aimais bien jusqu'à ce que j'apprends qu'en fait il avait du tan. Mais je l'aime bien quand même. Je trouve qu'il bien été construit Black Brian. Mmh. En fait, c'était un mec qui a eu peur. Il s'est forgé cette carapace de muscles pour se protéger de la peur, tu vois. Dès qu'il a vu que Gamou était chaud, il est retourné dans son état primitif de je suis un peu heureux, tu vois. Ah ouais. Ça, ça a été bien fait, je trouve. Euh, même petit empereur, même si c'est un petit filou. Non, non, lui, c'est cool, hein franchement, c'est cool. Ouais, c'est un petit filou, tu vois, parce qu'il est intelligent. Mais il y a un moment, il y a une scène touchante où il se dit Oh, euh, King, King, je suis pas Il doit penser que je suis un gamin. Alors, tout ce que King, il a chaud. Ah, <laughs> oui, oui. C en fait, il y a un moment où lui-même, <laughs> il hésite parce que. Euh, c'est lui qui avait organisé le plan. Il était en mode, oh putain, j'ai pas fait rentrer euh, banque, j'ai pas fait rentrer ouais. machin, j'ai pas fait rentrer machin. Là, on est en train de se faire rouler. Est-ce que j'ai mal géré En plus, comme je suis un petit, ils vont dire, euh, tu vois, c'est parce que t'es un petit. <laughs> il était en mode merde, tu vois. Il est complexe un peu vis-à-vis de ouais, son âge. Il avait un petit ouais, complexe il... par rapport à ça. Ouais, mais c'est bien fait, tu vois. Franchement, c'est bien tourné, c'est bien fait. Et... Ça passe crème, en vrai, tu vois. Moi, ouais, moi, je, je le dis. Franchement, c'est très très bien fait. Et euh, rang S, moi, mon perso préféré, c'est euh, Tatsumaki. Hein. Elle prend ses responsabilités. Quand il faut faire le taf, elle fait le taf. Au final, c'est elle qui sauve tout le monde. Euh, elle a un flow de malade quand elle est sérieuse. Non, non, moi, je kiffe. Alors, Après, après c'est vrai que moi, je dis, mais en fait, il y a tellement de persos qui sont stylés. C'est compliqué. <laughs> je pense c'est compliqué. Il euh, y a voilà. des persos... Euh, c'est des persos random. Hein. Mm. Le mec avec... Il euh, y avait un mec à un moment... Avec une lance qui se battait contre les... Ouais, quand il était stylé, je... lui quand, quand il y avait le, le, le deep dans, digging, dans, là. L'homme poisson Oui, quand il y avait ce mec-là. Il était stylé. Ah. C'est un personnage random, hein Mais qu'est-ce qu'il ah, était ça. stylé Ouais, ah. Il, il était aussi... Il faisait partie du qu groupe qui qu voulait choper euh, Garou. Exactement. Ah, ouais, il était stylé ah, il... Non, non, il était stylé ça. De ouf. Tac, 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 tac... Euh... Bah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, si, c'est ça c'est ça, c'est ça. Bien vu pour la personne qui a donné le nom. C'est ce mec-là, la là, Sting. Ouais. Je le trouvais stylé de ouf. Mais ouais, pourtant, c'est un ça, perso ça, random, ça bon. tu vois. C'est c'est un random, mais stylé. Et on n'en a pas parlé aussi, même les méchants, ils ont un flow de malade. Ils ont un flow de ouf. Même ceux qui ont une dégaine de a, au final quand tu les vois combattre, les méchants qui se font rouler en un coup, ils ont quand même un flow de malade mental. Déjà, chapitre 1, le méchant qui ressemble à Piccolo, putain le flow du futur. Ah, il a un flow de malade. Il se fait one la... shot, mais la... il arrive. Au tout début đầu. du manga, la meuf, euh, la meuf moustique, elle a un flow à de malade. Mental. Ouf. Non, c'est c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. c'est que du super flow là-dessus. On va pas se mytho. Donc, moi, je sais pas, si c'est un truc pour conclure. Avant de commencer. Oh, à non, à non, les gens. non, 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 oh, non. On commence à prendre les gens, je pense. Alors, ça peut... On a parlé longtemps. Hein. Ah ouais <laughs> on a parlé 47 minutes, là, ça fait beaucoup. Même, hein. pas Donc, pas euh, les gens vont commencer à vous prendre. Tout ça pour finir, bah, allez regarder, allez lire One Punch Man, c'est lourd. C'est peut-être le manga de la destinée il faut voir la... Et moi, en fait. Les va dépendre j de la fin, vraiment. En fait, j'ai l'impression, en fait, je vais pas être déçu. Je me dis, je peux pas être déçu de la fin. Tellement jusqu'à présent, c'est bien construit. Il euh, n'y a pas eu un vrai soufflement, à part quand il... on oh, enfin, il il va y respirer. Mais. Avant, ah bah peut-être que c'est nous, on est trop tolérant tellement le truc il est, il est bon. Non, non, on est. Non, non. Comment ça, on est. est mais je sais pas. Ça va pas ou quoi On n'est pas que, si tolérant que on... ça. Hein Est-ce qu'on aurait soufflé pour One Piece, ce truc là Je ne sais pas. Mais là, ah, moi, je n'ai pas, pas soufflé. Enfin, au fait qu'avant, il rentrait sa respiration. Là, il est dans l'espace, il peut parler. Euh... Là, je lui dis. Bah... Est qu est non, pas parce qu'en fait, le truc, c'est ouais. quoi C'est que. On l'a dit. Tu vois ce que je veux dire Oui, on l'a dit. dit. Mais en fait, je t'explique. Le problème avec One Piece, c'est que One Piece t'as tellement de mauvais points que les bons points ils arrivent pas à balancer. One Punch a ouais, tellement que... de bons points. Bon, <laughs> c'est ça que les mauvais <laughs> points. Ouais, ouais, c'est ouais. ça en fait tout simplement. Ouais, exactement mais, ça c'est la balance en fait. on soit, fait pour fait. One Piece Là on a vu incohérence, on l'a dit, hein. euh, ouais, dit on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit que mais comme c'est bon, on laisse. <laughs> on oh, je laisse. <laughs> OK voilà, non, c'est son sexe. Et juste avant de commencer à prendre les gens, on avait euh, Hervé qui disait Kikou qui quoi Attends. Il a dit deux trucs. C'est pas ça qu'il disait tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure. Euh... Attends, ça charge. Le gros point fort, selon moi, de One Punch Man, c'est que même quand tu as plusieurs chapitres sans voir Saitama, c'est une dinguerie. Et quand Saitama arrive, c'est encore plus une dinguerie. Et il n'a ouais, pas tort. Ouais, il n'a pas, pas, hein. pas tort de ouf. <laughs> il n'a pas tort de ouf. Il n'a vraiment pas tort. Parce que même s'il si vit... en fait, si va One Punch le mec, en fait, il crée des situations tellement désespérées que tu dis. C'est viens. C'est un peu nous là en mode superman oh, Le pauvre. C'est tellement abonne toi abonne toi tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Et du coup, on est soulagés nous aussi. Oh, ils sont sauvés, tu vois. Et arriver à inverser le truc comme ça, c'est extraordinaire. Ah, il est vraiment beau. Bon. Extraordinaire, il est vraiment très très fort. Et ensuite, on a Hervé qui disait, qui s'il te plaît, mets cette page quoi. NR 10, 11, 12. C'est quand Flash, Flash veut tester Blast et Blast le calme tout de suite. Ah, il a envoyé le lien. Attends. Attends, attends, attends. Il a envoyé le lien. Euh... Attends, tac tac tac. Il marche pas. Ah, t'as mis un espace. Alors, regarde Assini dans un monde où SNK. Ah, mais moi SNK, ce que t'as que vu la fois. Je devrais te tester, vitesse maximale. Ah, ah oui, 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 oui c'est trop oui, bon, oui, bon oui. là. Dans l'espèce de, de petite zone bizarre là. Ouais, après l'autre il joue avec lui, dit calme toi Ah, ouais, ouais, ouais. De ouais, ouais, ouais. <laughs> toute ouais, façon, euh, Flashy, je le kiffe. hein. Mais non, il mais a intérêt à retourner s'entraîner parce que pas là. Respecter, là. Hein. là, il se faisait vraiment, vraiment euh. pas respecter il voyait trop de combat, personnes qui étaient plus rapides que lui tout, tout le monde lui a roulé dessus et juste on en a pas parlé parce que là en même temps je le vois je me souviens les scènes comme ça qu'est-ce qu'elle me fume <laughs> ah, qu'est-ce qu'elle me <laughs> fume <laughs> les scènes comme <laughs> ça ben, ils l'ont gardé ce petit monstre ah, d'ailleurs le de... monstre là ils l'ont pas tué ils l'ont gardé ils l'ont pas tué ils l'ont pas tué mais qu'est-ce que ça me fume il y a des moments t'es là t'es dans le truc il se passe des sais ça parle ou autre tu vois c'est plus ou moins sérieux et d'un coup ça met des coups de pression pour rien du tout les trucs comme non, franchement, non, 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 franchement le est bon truc aussi. est très bon. Après, il vaut mieux l'acheter parce que dans les trucs de scan track comme ça, des fois les chapitres sont mélangés. Je sais pas, t'as eu ça toi. En anglais, euh... peut-être pas. En français, des fois, c'était mélangé, c'était n'importe quoi. Il manquait des pages, des trucs comme ça. Des fois, j'étais scandalisé. Non, moi, je l'ai en anglais aussi. Donc... Ouais, en anglais, peut-être, il n'y a pas eu ce défaut. En non. français, dans plusieurs trucs, c'était un défaut. Enfin, Et ouais. euh, juste, petite parenthèse par rapport à l'animé. Par rapport à la saison 1 de l'animé, je trouve qu'ils ont fait le taf de ouf. Dommage qu'il ait pas eu... Certains un petit hors-série. Oui, ouais, ouais. hmm. Au niveau de la saison 2, ils ont bien adapté. Même si je trouve que c'était en déclin par rapport à la saison 1. Ouais, c'est après... une belle adaptation quand ouais, même. Euh... Ouais. Après, c'est aussi parce que dans la saison 2, bah, ça prend plus entre guillemets la partie tournoi. Et je pense que la saison 3, là ils peuvent ça, se faire plaisir comme dans prendre. la saison 1. Parce que voilà. ça va être une dinguerie. Hein. La saison hmm. 3, logiquement, ça va être. Euh, tous les mecs de rang S, etc. qui vont rouler la Ligue des démons. Les euh, de bon, ça va être une dinguerie. Ça ça dingue. animer... En animation, en animation il... ça va être une dinguerie. Hein. pas dingue. les cons ça va être une dinguerie, vraiment. Moi, euh, bon, je pense vous êtes pas prêts. Donc, euh, ouais, à voir, à voir, à voir. Et tu vois, le pire de tout ça, c'est que... C'était long, ce putain d'arc. Mais long, on hein. s'est pas fait chier. Mais ouais, non, je, long, je, je sais pas, long. ça fait combien de temps Je crois que ça fait 4 ou 5 ans, il est l'arc des monstres démons, toi. Ouais, on mais sait après... pas... Non, mais moi, je les semaine par semaine. Après, il y a aussi le fait que Murata... Il Dessine quand il est motivé, ouais, ouais c'est cool. quand il veut. Me... Des fois, il y a un chapitre par mois, des fois, il y a deux chapitres par semaine, donc euh, le rythme c'est comme ça. Mais des fois, tu as des chapitres de 100 pages, tu vois ce que je veux dire? Des, ouais, fois, il me... des fois, il nous veut bien trop décousu pour, pour, pour dire ça, tu vois. Non, mais je veux dire, malgré la moi, j'ai semaine par semaine, je veux dire, malgré le temps que ça prenait, on était bien dedans. C'était ouais. pas c'était pas Wano, Je pétais les plombs, c'est quoi une sort ouais, de wannou après tu aussi euh, dans cette partie là, il y avait le fait que c'était très bien organisé. Parce que, premièrement, tu as la partie. Euh, faut localiser l'ennemi. Dans la partie, faut localiser l'ennemi. Tu as des mecs qui sont en train de faire les, les infiltrer. Ou essayer de s'infiltrer. Euh, Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui, au final, s'est trompé. Il est allé dans, dans la zone où il y avait Saitama. Tu avais euh, le petit qui cherchait justement à localiser. Pendant ce temps-là, tu avais euh, la Ligue des Monstres qui était en train d'essayer de recruter euh, Garou. Plus le fait que les autres essayaient de chasser Garou. Euh, t'as toute cette partie-là. Ensuite, t'as la partie où une fois que le petit, euh, le fils d'un des mecs, d'un des responsables de l'association euh, des super héros là, il se fait kidnapper. Non, mais tout ça, ouais, ça se suit, ça va. Non, dit, non, ça oui, non suit, mais ça se que se dis. En fait, t'as plusieurs phases, c'est ça. Ouais, euh, dès que qu se suit dès ce mec-là et le petit Agarou ils se font kidnapper, là on rentre dans la partie. On est dans la base. Une fois hmm. que t'as la partie, on est dans la base. T'as la partie euh, combat pur. Ensuite, t'as la petite introduction de base, etc. Ensuite, tu passes sur la partie euh, gros combat entre euh, Tatsumaki et la meuf. Ensuite, tu passes sur la partie gros combat avec Garou. En fait, c'est découpé en phase. Donc, tu jamais... Tu sais, c'est pas comme... Euh, bah, on... Les gens, ils vont dire en face à One Piece, mais c'est pour que les gens comprennent. C'est pas comme dans ouais. One Piece où, pendant une... un long moment, tu as le fi Kaido. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, le... je vois très bien. Tu as le fi Kaido et à côté, as, après, on revient le Luffy Kaido. Il y a quelqu'un qui dit dit, MDR au final, il one shot tout le monde. Ça vous dérange pas, bonne hypocrite Pour One Piece c'est pas la même. On a déjà expliqué que c'était. Premièrement, il n'a pas, euh, pas, pas one shot Boros. Uh, euh, ouais, deuxièmement, il n'a pas one shot Garou. Il n'a pas one shot Garou. Donc il one -shot. Euh, il one shot pas tout le monde. Pourquoi tu dis de la merde Il va pas tout. Et on a expliqué le principe de Saitama au début. Je t'invite à regarder le. Il n'a même pas besoin d'expliquer le là. principe. Il n'a pas one shot Boros. Il n'a pas one shot Garou. Voilà. Donc bref, les gens, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir C'est maintenant donc euh, on va enchaîner avec euh, Osuto, On va voir le Zoom. Osuto euh, l'homme qui pense que One Punch Man est moins bon que Hero Academy. Mais, lui, il s'est trompé de rêve, C'est trompé de rêve. Quoi. Comment ça va, Osuto Venez, venez, les gens, profitez pour entrer dans le Zoom. Ouais, parce que après, c'est fermé. Osuto, allô, voilà. allô Après allo. Osuto, on ferme officiellement le Zoom. Comment ça Comment va ça, Osuto Ah, ça va et vous ça va, super Ah, juste excuse-moi. Parce que Sliver il a raison. On oublie de faire ça à chaque fois dans le tête. Tout le monde connaît, tout va bien, etc. Là, on commence à prendre des gens sur Zoom pour venir sur Zoom. Le lien il est en description. Vous pouvez venir donner votre avis, rebondir si vous pensez qu'on a dit de la merde. Donc, n'hésitez pas. Sauf que comme là le Zoom il est fermé, euh, vous le serez pour la prochaine fois. Mais il faut qu'on s'en souvienne. Vois, il faut qu'on. C'est okay. ça ouais, qu'on oublie que des fois, fois qu il y a des dans nouveaux. Peut-être évident, tu vois. Donc voilà. Ah, ouais. qu'on oublie qu'on a peut-être des ah, nouvelles vrai. personnes. Vrai. Mais excuse-moi, Sudo. Mmh. Comment ça va Attends juste, il y a quelqu'un. On a dit que, que OPM, c'est meilleur que On n'a pas dit ça que c'est peut-être ah. le manga moi, de la décennie. Hein. J'attends la fin. Après, c'est pas, c'est et... pas le même style. On peut pas les comparer oui, comme ça. Premièrement, dit oh. ça. Et euh, deuxièmement, pour pouvoir cas, comparer un manga dans sa globalité entre euh, un manga qui est pas fini et un manga qui est fini, il faut attendre que, faut que celui t es t es t es qui est pas fini se termine. Exactement. C'est pas possible. Je suis d'accord. Donc ouais, non, génération 89. Moi, personnellement, pour One Punch Man, moi, j'ai regardé seulement les deux saisons. Donc, j'ai pas continué parce que j'attends en fait. Tu vois. Okay. Par rapport à ça, euh... bah, je vous avoue, la première saison, j'ai bien aimé. Euh... surtout En fait, c'était surtout au niveau de la mise en scène, parce que Madhouse avait fait le taf, mm -hmm. tu vois. L'animation, parce que la mise en scène, c'est la même que dans l'autre, non dans non, le, dans a, a, ils ont rajouté des trucs hein, quand même. Ils ont, rajouté... Okay. Ouais. Ils ont okay. rajouté. plein de petits trucs pour que ça okay. soit plus fluide et compagnie. Fluide, ouais, c'est ça. Tu vois. Okay. Donc euh, ça, ça j'avais bien apprécié. Après la saison 2 il y, y a un mini déclin parce que c'est pas le même studio, mais ça passe en vrai. Tu vois, c'est parce qu'il y avait, y avait une grosse zumba en mode ouais, non, c'est pas ouf. Euh, finalement, sans. Euh, bah, moi, moves, je trouvais que les gens les avaient abusé de la zumba. Ouais, je trou... moi je trouve aussi. Tu vois, personnellement. Après, euh, moi, juste, le, 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 là, le truc que je donne à, à One Punch Man, c'est que, le, comment dire, tu vois, les, tous les héros là, de classe S ou même de classe A, mm. ils ont une dégaine une prestance de super héros même si j'ai pas lu la suite encore oh, hein. une je, sais même... hein. une je sais même ouais, non, je, je, je sais même pas ce qui se passe après tu vois bon j'ai entendu un peu vite fait ce que vous avez dit et tout tu vois mais j'ai pas vu donc euh, je le sûrement ou j'attendrai la saison 3 peu importe mais tu sens la prestance des, des héros tu vois hmm. et ça je l'accorde euh, par rapport à My Hero Academia où les héros ils sont lambda mais ça c'est fait... ça c ça c'est parce que le propos est différent parce que c'est deux propos complètement différents parce entre My Hero et sérieux, One Piece ah parce que c'est des gosses ah, okay. Non, pas seulement parce que c'est des gosses. Mais, si. mais non, parce que. Enfin, bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de Maïro. Non, parce que. De nous... One Punch Man, ils ont une responsabilité. Une vraie. Oh, une vraie responsabilité. C'est vraiment, oui. il y a des monstres en fait... foirent. En... Les gens, ils sont en mode. Euh, les randoms de juste... la rue, ils sont en mode. Bon. Attendez, mais pourquoi on cotise pour l'association Exactement. Il y a, il y a, il y a, il y a un truc vrai truc, tu sens, c'est un sens. Alors oui. que Maïro il y a des chapitres entiers, voire des tomes entiers, où ils se tapent entre eux à l'école. Oui, mais justement, ouais. non, mais je vois, parce qu'en fait, en fait le, le, le truc de Myro, le, le thème de Myro, c'est plus, comme en fait le, le, le métier de super-héros, c'est quasiment plus de, plus de 80% qu'ils font, ça devient lambda. Tu vois, donc on, 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 en gros, on t'apprend à être un super-héros, mais quand tu deviens super-héros sur place, c'est pas ouf, tu vois, tu fais des trucs vite fait, parce que entre guillemets, la criminalité n'est pas aussi grande. De ouais, mais côté. Je au je début, hein. rappeler... attends, attends. Non, mais je tiens aussi à te rappeler que ouais, euh, quand tu commences, quand tu passes les tests pour euh, devenir super-héros ouais. dans One Punch Man, au début tes missions, c'est quoi C'est euh, j'ai perdu mon chat. Oui, ah, mais ah, comme tu dis, là, tu as, as, as des échelons, mais le problème, le problème c'est que la grosse dangerosité dans, dans My Hero n'est pas la même parce que justement, on, bana on, on banalise le concept du vilain au début vu que n'est plus là et tout. Et du coup, c'est ça que ça met en cause au niveau du thème de My C'est que comme maintenant... Y a, y a, y a... Les ennemis sont vraiment chauds et qu'on est vraiment dans des gros, gros trucs. Vu que la, la communauté de super-héros est plus dans un, dans un travail de super-héros lambda, tu vois, on n'a pas, pas les héros qui, qui voient avec cette dangerosité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire qui coupe pas. Non, mais à partir du moment où tu les sixièmes se tape contre le grand méchant, c'est n'importe quoi ton univers. En fait, c'est pas crédible. Alors, ça sert à quoi ton école Soit il n'y a pas d'école, c'est des gens random comme ça. Apparemment, okay. il y a une pas école. Pas crédible. Ouais. John, il l'a dit, il y a les classifications. Ouais. Euh, oui. le dragon, mon cul. Ils vont pas avoir Dès qu'il y a un certain niveau, mm -hmm. les mecs ils sont en mode euh, on Oui, se barre. mais justement. Ou, S'il y a des civils, ils sont en mode on fait le maximum pour réussir à survivre le temps que les vrais vrai personnes qui arrive. gérer arrivent. Ouais, non, là-dessus j'entends ce que tu dis, mais le problème c'est que les grands héros qui sont du côté du Japon dans My Hero, ils sont lambda entre guillemets parce qu'en fait on, on engage quasiment, euh, pas, je veux pas dire tout et n'importe quoi, mais l'emblème du grand héros, tu vois, il y, y avait que All Might qu'il avait, tu vois, et tout se reposait sur All Might. Je non mais je dirais même le principe d'école de héros ça n'a aucun et, sens en vrai. et le daron à machin là il est pas censé être une figure c'était pas censé être lui le rival de ah oh, ça suffit oui non mais même niveau parce que justement la société est en train de montrer enfin de toute façon on n'est pas on, on pas, est pas là pour ma héros pas mais pas ma le principe de des de héros n'a aucun sens mais ça. oui ça a un sens dans cet bon. univers vu que de base vu que de base, base c'est pour en faire un mythe mais bref en tout les cas voilà de toute façon de toute façon, je t'en parlerai parce que j'ai parlé avec euh, la Ligue et ils voudraient. Vous, euh, ah ouais, c'est des fans de, pour... de Mayor Academia, eux Ouais, ouais, on, pourrait parler de ça, ah, ouais. on peut hein, faire un truc avec eux sur Mayor Academia, hein, pourquoi pas hein. ouais, J'en je, avais parlé avec eux il n'y a pas longtemps. Là. Mais bref, on parlera de ça une autre fois. Mais en tout cas, pour revenir à One Punch Man, perso, euh, franchement, non comme je vous dis, les deux premières saisons, j'ai bien aimé. Et mm -hmm. je voulais juste vous poser la question c'est euh, au niveau. De... Parce que moi, je n'ai pas continué. Mais au niveau de la société, est-ce qu'il y a un fond rapport au, à l'interaction des super héros et de la société, tu vois Bah oui, largement, bah oui. Parce que ah, moi j'ai pas continué vrai. par après, Juste tu vois Un truc qu'on n'a pas, là, début. un truc qu'on n'a pas dit. Euh, moi je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, John. Moi je le dis parce que c'est mon ouais. avis. Regarder l'anime et lire le manga pour moi c'est pas la même chose. Quand tu donc lis tu me... le manga donc, pour donc... moi, ouais. plus. Vas-y. Vraiment. Okay. L'expérience de lecture, je trouve qu'elle est meilleure que l'expérience euh, quand tu regardes l'animé. Parce que comme on a donc... dit, il y a plein de petits trucs. Qui sont pas forcément ouais, exactement dans et en okay. plus vraiment, tu vois que le mec il s'est fait plaisir en dessinant en, en fait, ouais. des truc tout simple. Euh, ouais. Moi, je prends ça à chaque fois comme exemple parce que c'est pour moi parlant. Quand mm -hmm. au début du manga, tu as Saitama qui tombe sur Sonic dans ouais. le manga, tu as euh, 4-5 pages mm -hmm. où c'est euh... et des pages doubles. Hein où c'est Sonic ouais. qui est en train de courir dans tous les sens et tu vois uniquement des effets visuels de Sonic qui court okay. dans l'animé... Donc, tu une immersion dedans. C'est okay, ça. Ouais, dans l'animé, en fait, okay. dans l'animé, tu as un plan fixe sur Saitama et tu as des ouais. de petits traits noirs qui, mmh. qui donnent l'impression que Sonic bouge. Je pense que c'est pas okay. pareil. Tu vois. Après, ça, c'est okay, mon show. avis perso. Tu vois. Bah, donc, tu me conseillerais en vrai... de Et même si... Ça, c'est un truc, je le pense. Même si tu ouais. as déjà vu l'anime, si tu lis le manga, ouais. déjà non seulement tu vas avoir plus de choses, donc ton... ça ne va pas être différent, mais en plus okay. je pense que tu vas autant si ce n'est plus prendre de plaisir. Ok, maintenant ouais. franchement je vais le faire alors. Que moi euh, je veux que vais... les gens vraiment lissent le manga. Ah, ouais, je vais le faire alors. Je vais le faire pour, juste pour l'expérience, pour voir un peu la différence entre les deux. Parce qu'après c'est vrai que de toute façon, lire et regarder, souvent, il la... y a toujours une différence. Tu vois si là en plus tu me dis qu'il y a... y a vraiment une prononciation différente en termes d'immersion, bah vas-y, je vais tu veux le faire alors tu vois mais en tout cas ouais non en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu ou lu ben allez-y parce que ce n'est pas mauvais mais non non c'est pas c'est pas c'est pas mauvais c'est que c'est excellent là tu parles comme si tu parlais de Myro. c'est pas mauvais Non, non c'est lourd non c'est bon non c'est bon non non c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd vraiment c'est lourd non faut pas l'écouter c'est lourd c'est vraiment lourd non il dit c'est vraiment genre et un jour, il est approprié. j'ai pas dit ça passe, j'ai dit c'est bon. Ok, si c'est bon. Maïro Academia, c'est quoi Maïro Academia. Maïro Academia, c'est très très bon. Allez, arrête, même. C'est un peu impassable. C'est pas ça. Mais bon, bref. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas de souci Mais respecte un peu Maïro Academia, John. On la reparlera. Il faudrait qu'on regarde le début. On soit un début. Je pense qu'on fera la première partie avec de toute façon, C'est au courant. Ouais, sort... ça va, c'est au courant. Ça va Vas-y. A plus, vas les gars. Allez, à, à plus. Une bonne ouais. Ouais. Frodero Academia. Et nous, on enchaîne avec. C'est le J'ai rarement passé un plus mauvais moment qu'en lisant My Hero Academia. Je l'ai lu, hein, pour la culture. Mais, j'étais en mode, putain, c'est nul. Tic-tac. Toi, t'abuses, toi, t'abuses, t'abuses. T'abuses, t'abuses c'est pas si nul que tu veux le faire pareil tabus 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 c'est pas un truc de ouf hein mais tabus 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 ouais bon c'est pas nul nul non plus j'abuse 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 même moi j'abuse nous on enchaine avec Bilal bonsoir vous allez bien comment ça va Bilal ça va ça va au top comme à chaque fois je vous demande votre note comme ça ça donne une idée ouais je mets un petit neuf moi je mets un 9. hein un one punch man franchement ça je mets un 9. c'est une dinguerie hein bah ça c'est lourd. Hein. Vraiment, vraiment, non, aussi, non. En vrai, de vrai moi aussi je trouve ça lourd. Mais vraiment, tu me parlais, de... enfin, tu, tu disais que c'est pas un manga toilette. Je trouve que c'est un manga toilette ultime. Non. Genre, ça, ça raconte des choses. Le, le hein. problème il est sur le fait que vous prenez ce que je dis en manga toilette, ma définition, et vous l'associez à ce que vous pensez. Non non, manga toilette c'est quoi C'est un mode. Tu le lis, tu passes à autre chose. Ça. hein One Punch Man, tu passes pas à autre chose. Hein. Tu tu veux la suite. Un hein. manga toilette, c'est ce genre. Ça. Hein, si okay, lit, okay, tu lis, tu lis, tu passes un bon moment, tu, poses, non, après, non. tu, plus, tu le poses, après tu plus. Je rappelle quand je dis manga pas. toilette, c'est le genre de délire où t'es là, t'as rien à faire, tu t'ennuies, t'es posé en voiture, t'es posé dans le train, t'es posé au shot, t'es dans ton lit, tu sais pas quoi faire. Tu prends le truc, tu lis, tu passes un bon moment et après tu passes à autre chose. One Punch Man, c'est un manga où vraiment tu te dis oh putain, c'est quand le prochain chapitre Exactement, tu Donc, veux Il faut suivre. arrêter cette Zumba. Hein. Ouais, tu veux la faire. Oh, okay. Non, mais, okay, okay. mais du coup, dis moi, je suis d'accord. Hein. de faire vos définitions ouais. à vous. Non, t'inquiète. Mm. Mais là, je suis d'accord. Hein. One ouais, Punch Man, c'est vraiment du lourd. Et euh, c'est beaucoup mieux que MHA d'ailleurs, même si euh, tout ne l'entend pas, mais vraiment, c'est beaucoup mieux. Et euh, que ce soit dans les thèmes abordés, euh, la manière dont ça fait pour présenter les personnages, parce que, parce que dans MHA, il y a peu de personnages qui sont développés, tu vois. Dans One Punch Man, presque tous les personnages sont développés. Et même les, les personnages Joseph. Ouais, de ouf. Et je trouvais ça super intéressant. Et aussi, ça, ça pose une question, euh, pour moi, c'est avec la question essentielle du manga, c'est euh, l'égoïsme. Parce que certains, normalement, pour être un héros, il faut juste sauver les gens. Il enfin, faut vouloir sauver des gens. C'est vrai, à travers ces ça... Ouais. Ouais. En gros, le, le, la plupart, c'est par égoïsme, tu vois. Ils font ça parce que ça leur procure des émotions, parce qu'ils ils, ils cherchent quelque chose. Et donc, au final, c'est intéressant de voir, euh, c'est quoi être vraiment un héros et, euh, de, de par génose ou les autres personnages on arrive à parce que là, parce que là en fait c'est pas des héros euh, héros nobles au sens du terme comme on peut mm -hmm. voir dans Malacadémia là c'est des héros qui sont humains à chacun à leurs propres ambitions quelque part tu vois ouais Donc, exactement euh... c'est beaucoup, ouais. beaucoup plus intéressant tu vois alors que dans les machins c'est un peu plus il euh... y a aussi ça hein, mais c'est beaucoup plus, plus manuqué, euh... hein. ouais, exactement, exactement. on est les vilains on est aux êtres les gentils et voilà, c est, c est... ouais ouf et par Contre Genos, enfin, euh, je suis un peu déçu. Genre, il se fait tout le temps démonter, tu vois. Je trouve ça dommage. Oui, après, c'est un cyborg. Comment il peut vraiment bien progresser à part avoir une nouvelle machine? Ouais, c'est vrai. Mais genre, euh, je trouve la pas Après, j'ai seulement regardé la saison 2 et j'ai un peu lu le chapitre après. Mais genre, je trouve la pas eu son combat ultime. Toi, son combat où tu es en mode euh, putain, Genos, c est, c est, il est chaud », tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais en tout cas. Et sinon, moi, je trouve qu'il y a aussi ce sentiment, un peu comme Dragon Ball, quand tu Goku à l'arrivée des sirènes, ou bien. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Tu es allé Goku, dépêche-toi, c'est ça, il C'est. Je trouve ça super intéressant comment c'est fait, c'est vraiment stylé. Et aussi, un dernier truc que je voulais aborder, c'est le fait que plusieurs mangaka qui prennent leur temps font des masterclass, que ce soit pour Berserk ou Hunter Hunter. One Punch Man, et SNK. Je trouve qu'on doit se poser la question est-ce qu'on ne devrait pas laisser beaucoup plus de temps euh, au manga Argument, il n'est pas. Non, il n'a pas de temps. Il a pas temps. argument, il est intéressant, mais il n'est pas bon dans cette situation parce que là, c'est pas lui qui fait l'histoire Murata. Non, mais One aussi prend son au temps. One il Non, non, non. Temps. Oui, mais l'histoire, c'est One et après, qu'il lui, il a fait l'histoire. En plus, on n'en a même pas parlé. Toi, tu as lu la version One. Donc. La euh... version ah, One, moi, j'ai On faire ouais. un truc One versus Punch Man, version One. Ouais. Euh... Bref. Euh, je pars en... dans tous les sens. Murata, lui, c'est les dessins quand il veut. One, c'est l'histoire quand il veut. Donc, c'est pas la même chose qu'un. Comment il s'appelle le mec de Berserk là Qui lui, il fait tout, tu vois. Ouais, non, il faisait tout, mais il sortait des chapitres au rythme qu'il voulait. Il a bien ça, son histoire. Ce que je veux dire, c'est Murata, c'est d'un côté et One, c'est l'autre côté. C'est ça en fait. Non, non, mais en gros, lui, il parlait de tout, d'un point de vue scénaristique, c'est bien de prendre le temps pour poser son scénario et pas être dans le rush comme on voit avec One Piece où vite, vite, pour faire ci, faut faire ça. En gros, les auteurs qui prennent leur temps à sortir leur chapitre, il y a vraiment de meilleures histoires. x Hunter est un exemple parfait comme il a dit. Après, c'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Euh, et je, je pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas leur laisser plus de temps Après, c'est une question de Zeille, hein. c'est une question de chaque semaine. Si hein. les gens n'ont pas et leur Piece chaque semaine, ils vont Après, se Ça C'est l'industrie. Hein. Ah oui, ah, oui, oui. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais donc voilà ce que j'avais à dire. Et aussi, il y a un dernier truc que je voulais dire par rapport à MHA. Euh, ce serait cool d'avoir le retour entre Kumo et, euh, et Marvel, les jeunes, euh, le, tu vois, le combat retour donc je ne sais pas ah. si euh, vous, mm -hmm. vous voulez l'inviter ah ou pas Comment Koumo comment il viendra il viendra je vais l'attraper par le col je ne vais pas le faire venir Koumo en à tout base. cas merci et euh, moi aussi je mets un 9 hein. je mets un 9 sur le c'est vraiment lourd je ne vais pas regarder ouais, ouais. donc voilà tout donc, ce que j'avais à dire merci de... Vidal ah, tout de suite. à la tout prochaine à la plus merci et il y a Hervé qui dit Genos c'est un peu le oh mon dieu ils ont tué Kenny euh, <laughs> de One Punch Man mais en fait Genos <laughs> on ne va pas se mentir il y a des moments où il sert à montrer que c'est chaud. Comme ouais. c'est un robot, on peut le détruire et le reconstruire. Mmh. Il sert à montrer que c'est chaud. <laughs> Quand tu vois Genos, il fait one shot, tu te dis Oh putain <laughs> Genos, que il est pas faible. Hein. Non, il est, est pas faible. Que, en fait, il... il a le mauvais rôle parce que Genos, il est chaud. Ouais. Mais il se fait rouler pour montrer que la situation, c'est compliqué, tu vois. Exactement. Mais il y a des. Moi, par exemple, on n'a pas parlé vraiment des combats. Les combats sont stylés dans One Punch Man. Hein. Les combats sont archi-stylés. Euh, même le, son combat avec le CAFA, il était stylé. <laughs> ah, les... <laughs> il lui met de la colle, tout ça. Les combats, les combats, sont, les combats sont stylés. stylés. Il y a Yann aussi qui a envoyé 5 euros, qui a dit les chapitres qui sont ah oui, refaits oui, oui. quand Murata se fait fumer sur les réseaux. Vous en pensez quoi Vous ne trouvez pas que c'est de la triche euh, Les chapitres qui sont refaits, comme ça J'ai pas vu cette histoire, moi, peut-être, mais je pas vu cette histoire. Fait fumer sur les zones, que, ouais. Je sais qu'à un moment, il y a eu un chapitre euh, qui a été Redcon. Je ne sais pas si tu vois, À un moment, il y a eu un chapitre contre Garou. Après, ils se retrouvent dans une maison. Ils sont en train de parler. Euh, tu vois, enfin, tu vois, Saitama et Garou dans une maison. Et le chapitre d'après, le chapitre est refait, mais avec une fin différente. Et pourquoi J'en sais rien, c'est vrai, j'ai pas compris. Ah, mais si peut-être c'est le délire des univers, dimension, sais pas compris. Je sais pas. pas, mmh, pas. Alors, euh... Donc, euh, je sais pas du tout, j'ai pas suivi ces histoires, donc euh, je sais pas. Et nous, on enchaîne avec euh, Moussa. Moussa, allo, allo Allo, bah justement, je venais en partie pour parler de ça. <coughs> tu veux mettre la cam, Kiko Ouais, ouais a pas de pas, soucis. Bien sûr, si tu veux. Hein. Euh... T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es là euh, après, génération, on t'écoute, hein, comme d'hab. 91, euh, One Touch mind moi, j'adore. Super manga, c'est franchement, c'est la folie. Euh, je suis pas autant avec que vous sur ce live, mais je pense que c'est surtout parce que vous venez de tout relire et euh, mmh. forcément, ça vous met, ça vous met en hype. Donc, c'est cool. Euh, sur, euh, moi, par contre, j'ai beaucoup de mal à le comparer à d'autres mangas euh, parce que, pour moi, euh, enfin. Pour moi, c'est en fait vu que c'est un manga un peu parodique par rapport au héros qui prend un contre-pied, c'est quoi un héros de shonen et tout. Et euh, c'est aussi euh, humoristique. Et en plus, pour, moi, je sais pas dans si, si dans quel magazine il passe, s'il sort, mais pour moi, c'est un Seinen. Donc j'ai de suite du mal à comparer. Par rapport à l'univers, je trouve que c'est un Seinen. En euh, fait. Moi, aussi, je pense que Seinen, ça, ça, ça me choquerait pas que ce soit un Seinen. Euh, one, two, ça, c'est pour ça c'est oh. plus sérieux. Moi, C'est ça que j'entends quand vous dites plus sérieux, d'ailleurs, pour moi. Exactement, oh, oh, non, non, mais clairement, clairement, pour moi, ça, ça ne m'étonnerait pas. Même s'il si oui. y a un côté parodique, un peu, euh, ça ne m'étonnerait pas. Ça, oh, putain. Je monte mon corps. <laughs> Et du coup, il euh, euh, y a des trucs, c'est vraiment euh, super, super bien fait. Vous en avez parlé. Euh, mais euh, vous, êtes, vous avez parlé rapidement de King. Je trouve que c'est tellement bien fait, en fait, ce qu'il a fait avec King euh, au niveau euh, en. en, en... Comment dire en intégrant le King en, en, en Jain, c'est qu'en fait ça, ça sort pas de nulle part la légende de King. C'est qu'il a un seul truc pour lui, c'est qu'il a une aura qui fait cager. Ouais, c'est ça, ça, ça et en fait à <laughs> chaque fois à chaque fois lui il, en fait il se chie dessus à moitié mais il sort son aura et les gens ils il se chient dessus de ouf c'est oh, oh, il... l'aura de King c'est l'aura de Nanani ouais, c'est ça. ça et à vrai chaque vrai. fois euh, tu vois c'est comme à la fin quand il sauve Garou tu vois il dit juste les gars je euh, pas Garou il sort alors justement à la fin lui il commence même à en jouer tu vois parce qu'il a pris plus ou moins conscience Et donc mm. ça je trouve c'est super bien fait si on doit vite fait euh... Comparé à d'autres frottes dans d'autres mangas, tu vois. Moi, je trouve Mais que ouais, c'est ouais, ces ce genre de petits détails -dé 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 qui font vraiment, bah, c'est façon, on y croit, tu vois. C'est vrai que c'est crédible, parce que les gens de l'univers y croient. De toute façon, à part Saitama, tout le croit Mais pas pour rien, tu vois. Ils y croient ouais, pas, je pense qu'ils sont ouais. débiles. Il oui, y a un truc, en fait. Ils sont pas brain au hasard. Il y a un truc qui fait que, bah ouais, en fait, on serait dans l'univers, nous aussi, on croirait que King, c'est un monstre. Exactement. C'est ça le truc. Euh, pareil pour l'inverse, avec cette Aima, que personne ne capte que c'est un monstre. C'est pareil, c'est plutôt bien fait. Et euh, par contre, je trouve que vous êtes peut-être un peu trop gentil avec euh, avec euh, One Touch Pine. Euh, c'est comme John il se posait la question. Euh, et je pense que vous êtes trop gentil parce que même si c'est inconscient, dans votre tête, vous gardez en tête que c'est un peu humour, un peu parodique et tout. Parce que clairement, euh, bah, le truc de respiration sur la lune, il y a aussi le voyage dans le temps. Je suis d'accord avec vous que quand tu lis comme ça, ça te choque pas forcément et tout. Euh... Mais c'est parce que c'est One Touch Pine que ça ne choque Oui, non, mais ça que je l'ai dit, je l'ai dit. En fait, on l'a dit, il y a tellement de bons quand le truc, on truc la balance, on excuse, on dit Allez, ça passe Et Et parce que je, je sais même pas à où ça sort. Quand hein. même, que là, tu as dit deux points qu'on a en plus mmh. évoqué. Tu me parles de One Piece, des points, je te donne 50. Oui, mais euh, ça, je suis d'accord avec toi. On a deux points, mais par exemple, le voyage dans le temps. Ça... En fait, peut-être que j'ai raté un truc parce que j'ai lu ça assez rapidement. Là, on, parle on parle quand même d'un moment où euh, ça te parle juste avant d'un mec qui fait des voyages dans l'univers parce que en gros, tu te rends compte qu'il y a, qu y a des de voyages dieux. Il différentes dimensions dit, oh, mais mais après, qui c'est bon, qui, c est c est qui qu nous fait, a dit qu'en faisant le vrai. coup de poing de Garou tu vas aller dans le passé en fait non c'est sorti, sorti non mais, du, mais, sorti non, non, mais on se pose non, pas non, la non, question non, mais tu vois ce que je veux dire comme il a dit euh, comme il dit si bien Ikan il, il y a la logique de l'auteur et moi je dis tout le temps ça il faut voir par rapport à l'univers du mec dans ouais. l'univers de One Piece si tu veux jouer à ça dans l'univers de One Piece là c'est un exemple dans l'univers de One Piece il y a des pays c'est des pays gâteaux des pays y a des extraterrestres dans Plus on l'a Ouais on les, est d'accord ouais, que c'est vraiment en fait l'une des forces de One c'est qu'il a réussi à créer, enfin ils ont réussi à créer un univers qui fait que on est quasiment prêt à tout accepter en fait. Oui mais c'est pas ce ma faute passe. si. Ah c'est vrai, si c'est bien fait. Tu dis qu'on est gentil alors que on a dit par rapport à l'univers, il n'y a pas de truc que tu dis Oh merde mais, quoi, gentil pas, dans que... le sens où on, on, on l'accepte sans qu'on nous l'explique juste parce qu'il nous a préparé à ce qui se passe des trucs t'inquiète c'est voilà. juste t'inquiète ben on dans est One ok piece. avec ça non mais dans One Piece c'est des pirates pourtant il y a des robots on l'a accepté il y a des extraterrestres dans One Piece ils vont sur la lune on n'a jamais on est dit dans dire, de de One Piece on n'a jamais dit oh putain pourquoi il y a un robot j'ai jamais dit ça que je veux dire ça n'a pas de sens, en vérité. comme c'est fait, peut-être que le mot c'est pas que vous êtes trop gentil, mais vous pourriez être plus méchant en tout cas. Oui, on aurait pu, oui, on aurait pu souffler. Par rapport à quoi Par exemple à ça, comme je t'ai dit, par rapport à le coup de poing de Karasuno dans le passé. Parce que ça sort de ça sort mais pas Mais si t'es un hater, tu peux tu peux en parler pendant 10 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que là le problème il est où Il est sur le fait que en disant ça, tu dis qu'on est des haters de One Piece. Mais non, mais oh je ne même pas, non, je compare non, pas non, avec non, One Piece. Dans One Piece, ouais, il y a des raisons je... légitimes. Tu pas besoin bon non, non, mais moi, comment je fonctionne, c'est euh, de manière logique. Si j'accepte ça, si si ça, ça reviendrait, en gros, à ce que si sur un prochain live, un mec il arrive et il dit Là, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça, euh, donc vous êtes des héteurs de One Piece, je serais obligé de dire Oui, c'est pour ça que je valide pas ton point. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas exactement compris euh, dans la, la nuance que. Si tu veux, pour moi, Oda, il a pas fait le travail qu'ils ont fait dans One Punch Man. Pour moi, ouais, quand, moi quand le film mais... Fi transforme le toi, tout en Looney Tunes, euh, non. Vu que je ne l'accepte pas, ouais, non, vu ouais, que tu t'inquiètes, ça, ça marche pas. pas il n'a pas fait ouais. le travail aussi bien qu'ils l'ont fait dans One Punch Man. Bah, non, le, le Looney Tunes, moi, j ça ouais, j pas le doigt, Oda, n'y a pas de souci. Moi, j'ai accepté les extraterrestres. J'ai accepté tout ce que tu veux, les vampires, les zombies. Looney ça, c'est un truc que je peux pas accepter. C'est ça. C'est pour ça que je prends l'exemple. C'est le pire. Et du coup, pour revenir au truc dont vous parlez juste avant de passer. C'est que moi justement, je suis plus méchant avec euh, One Punch Man depuis qu'il y a eu cette histoire-là. C'était le chapitre 164 et ça me ouais. vénère en fait parce que j'aime pas qu'on prenne pour un con quand on me raconte une histoire. Et ce qui s'est passé attends, dans attends. le chapitre, mais là on est au chapitre 170. Euh... Non, mais je enfin, vois que le chapitre parle, il parle du chapitre. Il y a plusieurs numérotations de chapitres. Il y a plusieurs. Euh, de ouais, y a Man, plusieurs. Des fois, ça change les numérotations selon. Si t'as lu en anglais, t'as pas les mêmes chiffres que moi, ouais. euh, okay. du coup. Et euh, du coup, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que il est revenu en arrière. En fait, il avait dessiné un truc, il avait fait un truc, et t'as plusieurs parutions. Et en fait, il, il était revenu il est revenu en arrière, tout simplement. Il, ouais, fait, il a là, fait une V2 du chapitre. Ouais, il, a un redcon, redcon. Ouais, il a fait un Redcon. il a fait un Après, je n'ai pas compris pourquoi il a fait un Redcon. Euh... Bah, il y a plusieurs théories, euh, comme quoi il voulait coller plus euh, à l'histoire originale. En fait, il ne s'est pas planté, mais grosso modo. Ah, stop, stop, attendez, il y a un moment, oui. Il est dans une maison. Oui, il ils sont pas... dans la cabane, ouais. avec ouais. Un en mode, la en mode c'était la fin du combat. Parce non, que... non, non. Oui oui si à un moment ils sont posés dans une maison ouais, ouais. c'est comme dans Ocarina of Time* dans le temple de c'est ça c'est une maison euh, il mais n'y a rien ouais, autour c'est rien et, rien et rien pas. en plus qui coupe pourquoi j'ai ragé parce que moi quand j'ai lu ça j'étais ma tête elle a explosé j'ai dit putain la folie finit ça comme ça qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont discuter de quoi enfin je me suis dit c'est une dinguerie je vois quoi deux semaines ou je sais pas quoi après je revois, c'est le même chapitre V2, je vois le... rien à ouais. voir. Mais avec une fin différente, ouais. Rien à, à voir. Peut-être que comme j'ai lu d'un coup, j'ai pas fait attention, peut-être. Ouais, Et bah non, moi, ça. T'as dû louper. Ah, ça. Ouais, à l'époque, comme je disais chapitre par chapitre, moi, j'ai capté direct vois ce que j'ai. J'ai pété un, je un me cap. Suis moi, dit... oui, je me suis dit, c'est bizarre, là. Et vraiment, ah, bon. pour moi, oui. c'est grave, ça, tu vois. Vrai pour vrai moi, ça me. Pour moi, ça a jamais été expliqué. Il a dit, ça a été expliqué, ça n'a pas été expliqué. Je suis pas sûr que ça a été expliqué, j'ai regardé plusieurs fois. Il a dit, je le fais tout le temps, c'est la première fois qu'il faisait ça. Aussi violemment, c'est la première fois. Il avait fait en fait, quoi ce de... qu'il fait, qui fait, qui fait souvent, enfin ce qu'il fait euh, régulièrement, apparemment, parce que moi j'ai jamais fait trop gaffe, parce que je relis pas mmh, les mmh, mêmes chapitres mmh, 15 fois, voilà. euh, ce qu'il fait souvent, c'est genre, il, il redessine des trucs, euh, il dessine sous un autre angle l'action. tu vois ce que je veux dire non mais c'est pas vrai. pas changer la narration. Ouais, c'est ça, c'est pas changer la narration. Moi, je jamais vu ça. Je vois Kinox qui dit, ah maintenant c'est plus parfait. Premièrement, j'ai jamais dit que c'était parfait. Deuxièmement, ce truc-là, moi, je l'avais pas vu. Non, j'ai dit c'était un peu C'est pas Osef, John. Qui écoute, imagine, on réécrit les mangas. Qui t'imagines, on. il y a un mec, il a... imagine il s'était permis. Ouais, t'as dit non, en fait, j'ai foiré, la je réécris. Foirai... Enfin, mais... Tu vois, sais, on non, dessus. Mais, premièrement, par rapport à ça, faut faire attention à deux choses. La première chose, et c'est toi qui me l'avais dit, John, il a pris des libertés par rapport à l'histoire. C'est pas l'histoire de base, hein. il y a l'histoire de One et a l'histoire de Murat. Il y a c'est ça le webtoon là de base, ouais. Voilà. C'est ça. Donc, je il si y a ça. Il okay. euh, mm -hmm. y a deux versions différentes. Apparemment, Murata, il veut au final arriver au même point, mais pas de la même manière. Exactement. Puisque... En fait, voilà. C'est le même point. C'est le même point. Premièrement, il y a, ça. Point, ça, y a, y a deux versions différentes. différentes. Ouais. Je, juste, je te, je te coupe par rapport à ça. Il y en a qui disent que justement, ce, ce changement, il a fait parce qu'il voulait coller plus au webtoon sur cette partie-là que euh, du combat avec Garou. Non, non, carrément, bah, parce qu'au final, au final, tic-tac, le final de la fin avec Garou dans le et là dans One Punch Man, c'est pareil. Au final, le, le final ils final ensemble, c'est les mêmes. Alors que peut-être qu'il était parti dans son délire, mais... À mon avis, en tout, tout cas, moi, ça m'a dérangé, dérangé tu, ça, vois, je veux dire, ouais. tu vois. Tu je veux dire, à partir du moment où moi, je peux lire le chapitre euh, dans une version, euh, c'est-à-dire, euh, pas, un, pas un spoil, tu vois, dans une vraie version sur Internet, et que c'est modifié, j'ai un problème, tu vois. C'est juste, à hein, moi, ça m'a choqué. Euh, ça m'a dérangé, je ne je vais je pas mentir. Non, non mais je l'entends, je l'entends. À part ça, à, jusqu'à ce moment-là, le manga, je le lisais, c'est du biel. Ben en fait, le problème, c'est que maintenant, à chaque fois que je lis un chapitre, euh, je suis en mode euh, c'est le vrai, tu vois, et ça me casse les couilles en fait. Et à euh, ah, côté-là, ça exemple. me casse les couilles. Mais à part ça, euh, j'ai envie de dire achète le manga et ça sera la version j ultime, finale. <laughs> 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 Fais pas chier. Là, as un director's cut. <laughs> <D 'ouf>. <rire> <rire> non, mais je l'entends, je l'entends. Bon, bah ben, sinon, est-ce que j'ai un dernier mot sur One Punch Man Franchement, ça me fait trop rire. Par contre, l'humour, il est excellent. Mm. Euh. Les persos vous avez dit c'est des monteux, la meuf la psychique c'est la botte franchement c'est gavé. Et, euh, et bah franchement, hâte de voir la fin. Et ah oui, juste dernier truc, euh, je pense que le côté où il tue tout le monde avec un coup de poing, euh, vous l'avez dit, c'est euh, narrativement ça apporte quelque chose aussi, mais faut pas oublier qu'il s'enlève aussi une petite épine du pied. Euh, de devoir gérer un héros de shonen qui évolue, qui s'entraîne, etc. etc. Ça, il n'a pas toute cette partie crédibilité. C'est comme on essaye d'attraper les gens par le col sur certains shonen oui. en disant, ouais, ton power-up, il sort du trou du... Lui, il a réglé ce problème ah direct oui. en mode... Ah, début, hein. Et j'ai envie de euh, dire, bien joué. <laughs> bien joué. Non, bien joué bien et joué, vous pas. avez raison quand vous dites que ça n'enlève aucun suspense parce qu'il arrive à, justement à faire une structure narrative qui fait que à chaque fois, on est à fond jusqu'à la fin, jusqu'au dernier coup de poing. Allez. Ouais, D'accord. Pensez-en toi, Moussa. Passe-moi et nous, on enchaîne avec euh, Andro. Il est parti. Andro Donc, est parti. Donc, OtiOti. OtiOti, allo, allo. Allo, allo. Attends deux secondes. Parce qu'il y a Dragibus qui débite de ouf. Imaginez Oda et écrit Wano. Sur. Attends quoi. Imaginez. Ça, Oda écrit Wano, On aurait eu un live de 5 heures. Euh, premièrement, par rapport à ça. Là, les chapitres, ils sont sortis. Le tome et les trucs. Euh, arrête de faire semblant Dragibus. En plus, Wano, c'est tout un arc. De ce que j'ai compris là, c'est un chapitre. Après, il dit Dragibus, quand, euh, quand c'est On attend Gojo, c'est pas un problème. Bizarre. Mais le problème de On attend Gojo, c'est quoi C'est que par rapport à comment c'est fait dans One Punch Man, c'est le propos même du truc. C'est pas le propos du tout. Exactement. Hein. C'est pas du tout le propos. Et le problème de On attend Gojo, c'est que One Punch Man, en fait, le héros, il est toujours dans... on montre sa situation qui fait que soit il n'est pas au courant qu'il se passe un truc, soit il est en train de faire un autre bail. Gojo, il se téléporte où il veut, quand il veut. Hein. Non, non, mais, mais il ne le fait pas. Là, les <laughs> gens, ils sont en train, dans le chat, ah, d'essayer mais... de nous dire euh, Pour One Punch Man, euh, vous êtes comme ça, pour One Piece, vous n'êtes pas comme ça. Je souffle. On souffle. On souffle. Et d'ailleurs, Gojo, c'était un problème. Il l'a enfermé. Oh, ouais, ouais je ne fais pas <laughs> spoil. Ouais, bah, bah, ouais. <laughs> Comment ça va, Oti Oti Ça va, ça va, et vous Ça va super, hein Génération. enfin, live enfin un live sur One Punch Man je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui, qui donnent la force à ce putain de manga parce que c'est salement lourd, je ne sais pas comment ça se fait que, que personne n'en parle, c'est de la vie. donc euh, moi personnellement bah, génération 97 et euh, en fait moi bah, comme manga je ne regarde euh, que One Piece en ce moment parce que c'est le truc avec lequel j'ai grandi je suis arrêté au Big Three, bah c'est à dire bleach. Naruto et euh, One Piece, et après ça, il n'y a plus d'autres euh, mangas qui m'ont beaucoup intéressé. À part l'attaque des titans, mais j'ai été euh, déçu par la fin. Et d'un coup, bah, j'ai découvert One Punch Man. Et putain, c'est salement lourd. Bon, c'est un, un truc de ouf. J'ai l'impression d'avoir les mêmes ressentis euh, à l'époque euh, quand je lisais euh, euh, DBZ. C'est l'intensité des combats et tout, genre, quand t'es à Moi, je trouve que dans One Punch Man, il bah, y a ça. Tous les, euh, les personnages bah, ils sont intéressants. Les personnages principaux ils sont intéressants. Garou, putain, l'écriture, elle est incroyable. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que c'est lourd. Je trouve juste que, euh, au niveau de l'anime, bah, je ne sais, sais pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas faire l'anime. Donc, euh, je pense que c'est peut-être ça qui leur tire une balle dans le pied au niveau de la popularité. Par rapport à quoi Mais, Je pense que ça leur tire une balle. Ils se tirent une balle dans le pied par rapport à la popularité du manga parce que, euh, au niveau bon, animé matchman, en Ça a fait, explosé euh... avec la saison 1 hein. Oui ça a explosé avec la saison 1 Mais ce que je veux dire c'est que la saison 1 Pour nous qui avons lu le manga on sait que c'est rien J'ai pas compris Par exemple ceux, 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 qui lit le, ceux qui ont lu le manga C'est à dire jusqu'à l'arc Garou et On sait que la saison 1 en vrai C'est rien par rapport à Oui mais là la saison manga. 3 elle va sortir Oui mais après combien de temps bon, Après ça c'est eux hein pas... Et, la saison, et la saison 2 elle était très mal animée. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les dessins ils n'étaient pas ouf. Wow, ce délire là. C'était moi, euh... moins bien que la saison 1, mais ce n'était pas si. Ah. Après, bon, moi personnellement, moi, je trouve que euh, One Punch Man et Berserk, je ne sais pas comment ça se fait, mais euh, au niveau. Le manga il est mieux. Genre, vraiment, le manga il est mieux, même si euh, l'animation de la saison 1 elle était super. Euh, je trouve que le manga il reste à main mieux parce que, euh, au niveau même des chorégraphies de combat, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, euh, Saitama contre euh, Genos, euh, c'est pas la même chorégraphie de combat. Je trouve que ça raconte pas la, ouais. manga, pas la même chose. Dans ouais, l'anime et dans le manga, c'est pas la même chose. Ça raconte pas la même chose et je trouve que c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Donc, c'est euh, pour ça que moi je préfère euh, largement le manga. Et euh, franchement, ouais, c'est lourd. Hein. Moi, euh, euh, le seul regret que j'ai par rapport au personnage de. De, du manga c'est le chat il y avait un le un général euh, oui voilà. un général chat ouais franchement lui, fait... je le kiffais trop je le kiffais trop mais juste un lâche c'était roulé par le mais justement c'est ça que je euh... kiffais tu vois parce qu'à un moment Quel tu sais euh, un chat un euh, général il avait, chat il y avait un général c'est un chat comme ça il avait essayé de, de prendre saitama en traître et saitama il a ressenti tu vois après il va se cacher Il se dit putain c'est qui lui <laughs> c'est le moment là j'étais mort ça franchement je... tu sais un moment un euh, monstre un monstre un monstre c'était un monstre c'est lui qui a libéré les gens de la prison, là. À un moment, Saitama, il descend et, tu sais, il voit Saitama marcher dans le... dans le couloir ah, mais et il, oublie, et il, il essaie il de... Oublie. Voilà, il essaie de le tuer en secrète et tout. Et... Sauf que Saitama, il sent rien et, tiens, le mec, il va se cacher et tout. Il se dit, putain, c'est qui lui et tout. Ça, ça faisait trop rire, cette scène. Ça pense ouais. que c'est une scène d'eau. Et, ouais, bon, dommage qu'il ait été excité. que, voilà... Mais voilà, en général, euh, c'est salement lourd, j'attends euh, l'animé, même si je trouve que le manga, voilà, ça ne va jamais, être surpassé. Et voilà. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, Ouchiochi. Parce qu'il vient de te faire un... Salut, salut. salut Et nous, on enchaîne avec euh, Manu. Il a dit, il est dans le bus, on va essayer. Hein. Manu, allô, allo. allo. Surtout, il a dit, il faut faire un, un versus One Punch Man Bob Psycho. Non, pas pour moi. Bob euh, Psycho, en fait... One Punch Man, ah, c'est ouais, lourd. Mon... Mais Mob Psycho, qu'est-ce qu que je kiffe le concept Oh là 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 là. Faudrait qu'on fasse un truc sur Mob Psycho. De toute façon, il y a la saison 3 qui arrive. Hein. Ouais, de Mob Psycho. Ah, là, hein. Dans un mois, ouais. J'aimerais taper tous les trucs Mob Psycho sur Twitch parce que qu'est-ce que c'est lourd. Manu, ah, C'est lourd. lourd. Wow, wow, wow. Manu, Manu, Manu. Bon. Wow. Je pense qu'on va prendre le mail en attendant. Voilà, là. Mail. On va prendre le mail en attendant. Il a dit qu'il est dans le bus, donc c'est chaud. Donc on, va, mail, on, on va prendre le mail hein. euh, en attendant. On va prendre le mail, encore qu'en attendant, tu sois sorti du bus. Allo, 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 allo comment ça allo, va, comment comment va, va, ça va Super. Salut, ça va bien et vous ça, ça va, va super, bien. Hein. Génération, bah, génération 91. Mm -hmm. euh, bah, les participants posséderont déjà tout j Donc je ne vais pas être long. <laughs> pas Mon punchman, j'ai regardé euh, surtout la saison 1 et la saison 2 et j'ai commencé le manga. Les plans sont magnifiques. Euh, on n'est pas dépaysé hein, quand on passe de l'anime au manga. J'aime même... Euh... Non. Non, non. c'est encore mieux. Est encore les planches sont magnifiques. Euh, Tatsumaki, je la surkiffe. Elle est peut-être petite, mais elle là, en a. Elle ouais, ouais, de des C'est de la, la psycho là euh... Oui. Oh, c'est la meuf de la classe S. Hein. J'ai j'aime bien aussi les refs aux autres animés qui sont bien amenés. Par exemple, tu as la petite ref à Godzilla quand tu as la première apparition de Tatsumaki. Ah oui, oui, oui. Non, oui, oui. Elle est avec la météorite, là. Euh, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Bah, je trouve que dans ce manga-là, bah, les rêves, elles sont bien amenées, elles sont sont Oui, elles sont, bah, sont, ouais, sont subtiles, même euh, les parodies de super-héros, etc., c'est oui. bien... bien fait. Tu as plein de rêves, ouais. mais c'est pas gênant. Et... Non, c'est subtil, c'est bien amené. C'est subtil, c'est bien amené, c'est marrant. Et justement, je pense que c'est eux qui, c'est ce qui fait euh, le charme du manga. C'est un petit plus euh, parmi tout ce que vous avez déjà dit. Et j'attends la suite avec impatience. Et ils ont un style. Hein. Hein. Oui, bah, ils ont leur style. J ai, j ai, chaque il y, y, y a un mec, ça se prépare, il a que des yo-yos, je ne sais pas ce que je veux dire, mais il est stylé. Tu vois que c'est yo, yo Ça, j'ai dit, euh, c'est pas, pas évident de rendre des mecs cool sur des trucs aussi simples. Tu vois, par exemple, euh, je vais encore tirer sur Maillot Académie. Oui, sur des mecs cool. La meuf c'est... Moi, il y a le... Bah, justement... Non, c'est pas le mec. C'est pas le même mec. Le, Les mecs qui sont à deux, là. Le mec qui ouais, a un espace de... Le non, c'est qui a, un ah, oui, et... qu a une espèce d'épée d'escrime là. Ouais, c'est de ouf. Moi, stylis. je trouve c'est ouf. Ils ah, sont font roulés, mais ils sont aussi les ouf. Ouais, et puis je sais qu'il y a beaucoup qui crachent sur euh, l'animation de la saison 2. Euh, moi, bah, elle est un peu moins bien que la saison 1, ouais, mais je n'ai pas trouvé oh. nul pour autant. Oh, moi aussi, pareil. Moi, je et trouve puis, que j'ai Je dirais même qu'en soi, l'histoire et tout est tellement bien amenée que l'animation, c'est secondaire à côté, pour moi. Je parle bien pour moi moi aussi ça m'a pas choqué moi, à l'époque après il faut quand même que One Punch Man c'est une bonne animation pour rendre le truc lourd parce que comme le manga c'est une dinguerie euh, il faut une animation ouais, après qualitative. après c'était oui, c'était ah, pas non plus la saison 4 de SNK en termes d'animation c'était pas aussi catastrophique non ça, mais c'est pas, pas ça que je dis ce que je dis c'est qu'il faut quand même un bon truc pour One Punch Man en fait ça aide le propos oui ça aide le propos c'est vrai oui ça aide ça c'est sûr mais après comme j'ai dit c'est vraiment pour moi pour moi l'animation euh... J'étais plus à fond dans les combats, les scènes d'action et autres. Et après, j'ai vu l'animation. Que d'abord, j'ai vu l'animation. Je me suis dit ah c'est une merde. J'étais moins à fond dans le ba... dans le combat quoi. Les combats, les ah formations. je crois que ah, désolé c'est mon chat qui est passé sur le clavier. Il n'y a pas de souci. Du coup, euh, c'est tout pour moi pour l'instant petite petite. Et même euh, je dirais il euh, y a un dernier truc que je veux dire, c'est que en soi. Le manga est tellement drôle, tellement bien amené, les combats tellement intéressants qu'en fait, même s'il y a de l'attente, bah tu le ressens pas. Tu le ressens pas comparé à d'autres séries. Enfin, je regarde d'autres mangas. Entre les chapitres. Bah, par, entre les chapitres. Ou moi, Entre même. Comme si tôt. en fait, Après, moi, par, rapport pas, tente, tu... bah, par rapport à l'attente, tu, par rapport à l'attente, tu vas dire ouais, euh, tu vas te perdre dans le rythme. Tu vois, ça me... il y aura tellement d'attente qu'en en fait, ça va te couper ton délire et euh... Moi, ça Après, pas tu coupé, seras hein. plus dans le mettre move. Mmh. Là, c'est tellement bien amené, c'est tellement marrant qu'en fait, quand ils te remettent un nouveau chapitre, bah tu rentres dedans direct. Dans direct, direct jour... pareil. Voilà. Et bon, c'est tout pour sais. moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, il n'y a pas de souci. Merci, Mel. Passez si bonne soirée. Bonne soirée à vous. Allez, à plus. Salut, salut. Et on va réessayer de prendre Manu. Euh, hein. Manu, il est sorti. Il y a des bus. gens en attente, hein. Je vais les prendre. Oh, 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 oh. c'est trop tard. Hein. Euh... Euh, Johnny l'a dit, c'est trop tard. Comment oh, ça va, Manu C'est oh, 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 vous tranquille. dit euh, comment ça va Ça va, hein. génération, t'écoutes <laughs> euh, Génération 2000, alors euh, bah, moi, One Punch Man, pour moi, c'est une pépite. J'adore. Euh, bon, euh, je ne vais pas répéter ce qu'ont déjà dit les autres, mais en termes d'humour, de dessin... Euh, même l'histoire est plutôt accrochante. C'est vrai que quand on lit un chapitre, on a envie de voir la suite hein, directement Ça c'est, ça c'est sûr. C'est pas Donc, non plus euh... une histoire de ouf. Hein. Faut pas... Ah oui, Faut pas abuser. voilà. C'est vrai, c'est plutôt basique, classique. Comme je trouve. Que... Non, je veux pas parler des de mangas, mais comme des matières, Mais je trouve que c'est plus profond. Dans la Donc, narration, euh... c'est super ouais, bien amené, en fait. Voilà. C'est bien amené et tout. C'est super profond. Mm -hmm. Et euh, bon, euh, moi, je vais pas parler non plus de la saison 2 parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop fan. Euh... Euh, surtout quand on voit que les musiques, ils ne savent même pas les mettre au bon moment, qu'ils les coupent, parce qu'ils ne savent même pas timer l'action avec la musique. Mais bon, ça, c'est là le débat. Et par contre, euh, j'ai aussi lu euh, le manga jusqu'à Garou et tout. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous, vous lisez One Punch Man en scan sur, euh, sur, sur Internet ou aussi en manga papier, en tome. C'est quoi la différence C'est quoi la et différence ben, Je ne sais pas si vous avez vu, parce que moi, des fois, je vais à Cultura ou quoi, je regarde, et il y a des moments qui ne sont pas en scan, qui sont dans les mangas, euh, en tome, par exemple. Par exemple, le manga qu'on a eu contre Orochi n'est pas le même en manga, en, en tome. À un moment donné, je le vois, euh, Saitama, il prend un bain de lave, et puis il lui fait un, un coup vénère de jet d'eau, et il, il tue Orochi comme ça. Ouais. Mais, et ouais, bah ouais vraiment, vraiment. Et là, on voit quoi pas. On voit une stèle en dessous. Totalement au fond du gouffre d'Oroshi, et on voit une stèle avec euh, Orochi qui croit que c'est lui. Euh, euh, Saitama l'a détruit, et on voit Dieu, on voit God, en fait. Et il y a des trucs comme ça qui sont pas oh. dans les scans qu'on a dans le manga à papier. J'ai envie de dire, c'est bien fait pour ceux qui lisent illégalement des scans. Vous avez qu'à acheter ben, le manga. Ah, vrai. mais mmh. ça reste oui, une quoi. Ah ouais, je... Vous avez jamais fait gaffe, je vous jure que ça va. Oh, donc, euh, ça ouais. m'avait ouais, vraiment mmh. surpris. Donc, euh, est-ce qu'on rate des informations vraiment, Je sais pas. Moi, je sais pas. Il faut acheter ça. Je pense que One Punch Man, il faut acheter. J'ai bien fait d'acheter de... ouais. mes tomes. T'as acheté ah, ah, aussi. Ouais, pour, euh, Moi aussi. Euh... Ah, bref, la question n'est pas la menu. Ouais, c'est Non, non, vraiment, moi j'adore aussi. Ce qui m'a fait accrocher, c'est Saitama, le fait que soit le plus fort. Et que là, on ne traite pas le côté puissance dans le, dans le côté shonen, mais plus le côté psychologie. Euh, comme quoi, il ennuie l'égoïsme. Qu'est-ce qu'un héros, etc. Bref, on ne va pas comparer à, à un machin non plus. Mais euh, non, non, Saitama, vraiment bien. Euh, Garou aussi. Euh, après, c'est vrai que la différence avec les webtoons, toi John qui as lu, la différence est assez flagrante et le ressenti n'est pas la même, malheureusement, je trouve. Ah oui, mais là, c'est euh... pas. Je veux dire, là, la fin qu'on a, ça va sur Saturne, je sais pas quoi, il n'y a pas ça dans le. Non, il n'y a pas ça. Le... C'est vrai, il n'y a, a pas, pas ça. ça. Y a pas ça. Que... Mais moi, pour moi, pour l'instant, hein, moi, je, je préfère euh, mon retard. Moi, je préfère hein. le a comme ça, ouais, je, je suis mm. d'accord. Mais je crois que les dessins, ils, ils font aussi beaucoup. Euh... Après, il faut la dire, ce que les dessins de WAN, on, on souffle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien fait quand même. Mais... Les dessins de on... bon de toute façon, on en parlera, mais on souffle, mais c'est quand même bien agencé, hein. Non, non, ah c'est oui, bien agencé, oui. c'est bien agencé. Tu comprends tout, tu truc, ah tu je comprends tout, ça c'est bien, tu tu tout, souffles, hein. Mais non, ça c'est bien. Donc, euh, non ça ça mais, mais dire, voilà. Les quoi. du sous, c'est pas non plus. Euh... <rire> <rire> ouais. et aussi, euh, pas... Moi, j'avais une autre version pour le fait que que Morata ait changé le... le, a fait une V2. À ce qui paraît, il avait reçu des messages de Terre, en quoi ils n'avaient pas apprécié le chapitre sur la fin et la tenue des événements. Et du coup, il l'aurait refait. Donc, c'est pas, j'ai pas de source, mais c'est des ondis aussi. Bon, Morata, euh, il fait ce qu'il veut, il s'en bat l'air. Ce serait ce sera dommage que les, les avis des fans auraient rien à foutre. Moi, je pense que Morata, il le... n'en a rien à foutre. C'est juste, ouais, c'est bah, bah, délire, exactement. il fait ce qu'il veut. Et voilà. Enfin, voilà. Non, mais voilà, bon, euh, tout ça pour dire que moi je kiffe One euh, Punch Man, c'est vraiment bien, euh, même si l'histoire est assez simple, on ne va pas se mentir, on a eu des mangas avec des monstres, des démons, bref, euh, sur oui, ça, on, on connaît, mais c'est vrai que c'est quand même bien écrit avec les personnages secondaires, Saitama qui, qui fait qui prend le contre-pied sur le fait qu'il soit trop puissant et qu'on travaille à notre aspect, euh, l'univers qui est bien amené, c'est vrai, donc euh, tout ça, euh, super bien, donc euh, non, non, euh, pépite, moi je donne un petit 7,5-8 à. À One Punch Man, tranquille. Merci voilà. beaucoup, en tout cas, Manu. Voilà. De rien, pas de soucis. Bah, Bonne soirée, à plus. Bonne soirée, à plus. Merci. Allez, salut, salut. Et bon, les gens, bah... non, on a fait le tour. Hein. John a dit, fini. Hein oh bah non, non, j'ai... Rotard, il fallait venir avant. C'était tout à l'heure. Donc, concluons. à part si c'est des abonnés, si c'est des abonnés... Non, euh... non, sinon j'aurais pris direct. Ah, ok. Il fallait venir avant, les gars. On fallait tourner en avance. Donc, pour conclure, One Punch Patchman, moi je dirais que c'est excellent. Euh, franchement, elle a regardé, c'est un bon moment, c'est claque. Franchement, comme tu as dit, je préfère lire, aller lire le manga, acheter bien évidemment, euh, parce que ouais, pour moi c'est un des meilleurs mangas, si ce n'est peut-être le, le manga de la dessine. Et On verra à ce moment-là. Dire... Hein. Euh... Si vous avez vu uniquement l'anime, n'hésitez vraiment pas à aller lire le manga, parce que premièrement, vous allez reprendre du plaisir, parce que ce n'est pas la même expérience, parce qu'il y a des petites choses en plus, parce qu'il y a des petites choses... Qui vont changer mais en plus de ça par rapport à l'anime vous allez vous dire oh putain c'est une dinguerie au niveau visuel etc donc euh, même si vous êtes euh, quelqu'un qui avait uniquement qui a uniquement pardon vu l'animé n'hésitez pas. pas et n'hésitez ouais, pas allez. à recommencer depuis le début parce que ça se lit vite ça, ça se, se lit, lit vite. bien ça se bien bien tu rentres dedans il y a au coeur Ali, il voulait rentrer il est pas là au coeur que soit soit dans les commentaires il dit ouais euh, laissez moi rentrer je suis membre il n'est pas là, au cœur. Au cœur, tu pas dans la liste d'attente. Hein. Donc, euh, tant pis pour toi, au cœur, c'est la fin. Il est pas là, au cœur. Il n'est pas dedans Non. Non, je disais, soyez clément, laissez venir. le Non, j'ai... <laughs> il, il, <laughs> il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, nous, on se dit demain pour Nemco Show, pour ceux qui sont là. Allez, à plus. Dimanche, je ne sais pas ce qu'il y a et... Pour la semaine prochaine. Restez connectés, j'ai envie de dire. Vas-y, <laughs> Passez une bonne soirée, les gens. Salut, salut.